Bonsoir à toutes et à tous, je vous propose de commencer. On a quelques personnes qui n'ont pas trouvé, qui se sont trompées de lieu, donc on va laisser tout le monde arriver. Je vais commencer par faire l'appel, mais on fera évidemment un complément d'appel très rapidement au fur et à mesure que les personnes qui doivent arriver arriveront. Je vais désigner comme secrétaire de séance Cyril et me permettre de faire l'appel rapidement. Donc je suis présent, Olivier Malsens est présent, Ida Gontier est déjà présente, Paul Malret présent, Louisette présente, Michel Debjet présent. Vous n'étiez pas là. Elle n'est pas arrivée ? Pardon. Elle arrive, c'est vrai. Elle vient de faire un petit message. Marie-Claude est présente. Carole Godard présente. Olivier Lugic présent. Eugène Dalle présent. Socrate Gabrielides présent. Philippe L'Enfant présent. Abderrahim Chaboun présent. Caroline Pissica arrive. Catherine Charuel présente. Georges-Édouard Bach présent. Rania Slim présente. Anthony Herry présent. Maria da Silva Parota présente. Louisette qui arrive. Louisette qui arrive, justement. Sophie Garek représentée. Nina Rejdal-Ourteli arrive, justement, dans quelques instants. Aufrechter Cyril, du coup, est présent. Pascal Dehay est présente. Julien Fréjabu est présent. Philippe Lusseau est présent. Fabienne Huard est présente. Fabien Lemoine est présent. Blaise François Dainville également. Jean-Marie Moreau de même. Myriam Leblay également. Christian Lelièvre est présent. Non, il est présent, je le vois. Nadia Benalla arrive. Thierry Huret présente. Voilà. Et Nadia arrive. Coucou Nadia. Ce soir, nous sommes donc à Coubertin. C'est la première fois que nous le faisons dans le gymnase de Coubertin pour une simple et bonne raison, c'est que nous avons décidé de pouvoir tourner dans nos gymnases afin de ne pas bloquer tout le temps les mêmes infrastructures pour nos clubs et associations. Donc, nous allons devoir tourner sur les gymnases, d'autant plus qu'il y avait des associations qui avaient besoin du gymnase, notamment ce soir à Ponce. Je voudrais commencer, comme il se doit, avant de dire quelques mots pour vous donner quelques éléments administratifs, par approuver le compte-rendu du Conseil municipal du 28 juin 2022. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce compte-rendu ? Oui. Je vous en prie. J'ai un problème de compatibilité avec l'article L21-21-7 du CGCT. On a voté lors du dernier conseil municipal donc la modification du règlement intérieur. Dans l'article 1 du règlement intérieur, il y a indiqué que le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie. Il peut également se réunir et délibérer dans tout autre lieu de Verneuil-sur-Seine. Or, l'article L21-21-7 dit qu'il peut également se tenir et délibérer à titre définitif dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune. Je voulais donc connaître la compatibilité légale en fait, entre les deux. Bah, de toute manière, vous le savez, surtout en période Covid, je pense qu'il n'est pas souhaitable de refaire les réunions du conseil municipal, sauf si la totalité du conseil le souhaite par ailleurs, dans la salle du conseil de la mairie. Moi, je ne suis pas opposé, mais je pense que ici, la plupart d'entre vous ne le souhaitez pas. Par conséquent, l'objectif est de tourner sur plusieurs lieux pour l'instant. Après, suivant comment les choses vont tourner aussi, nous avons toujours l'espace Maurice Béjart qui peut nous accueillir, le cas échéant. Au-delà d'articles de loi, c'est surtout une question pratique, puisque nous n'avons pas de salle de conseil où nous pouvons être dans les règles de l'art en matière Covid. Ma question, c'est simplement, est-ce que c'est légal ? Oui, a priori, les services avaient dit oui. Mais après, je peux vous laisser, je n'ai pas de souci, si vous voulez, pour l'approuver avec remarque et vous laisser vérifier. Nous, on va voter contre. Ok, pas de souci. Est-ce qu'il y a des personnes qui votent contre, du coup ? C'est noté. Des personnes qui s'abstiennent ? J'en déduis qu'il est adopté, ce qui me permet d'abord, en guise d'introduction, je me permets très simplement de profiter de cette soirée pour vous présenter Pascal Petel, qui est sur le côté, qui est donc présent. Il a été directeur général des services dans différentes communes. Il viendra dès à présent à Verneuil pour compléter les effectifs et surtout remplacer dans quelques mois, lorsque François Tréau partira en retraite bien méritée, notre directeur général des services, en sachant que François est encore là jusqu'en janvier et en l'occurrence qu'on ne te laissera pas partir sans fêter ça dignement, mais ça on en reparlera évidemment.
J'en profite également pour nous excuser. On est désolé, il y a eu une petite confusion sur les documents qui vous ont été transmis. En l'occurrence, les documents qui vous ont été transmis lors des commissions étaient les bons. Vous aviez les bons documents, mais il y avait une petite erreur sur la première délibération qui vous a été transmise ensuite avec les autres documents. Par conséquent, le document a été mis sur table. C'était de toute manière ceux qui ont été présentés, pitchés, échangés en commission. Il y avait une petite coquille de documents et je voulais commencer par là pour m'en excuser. Ce que je vous propose, c'est d'attaquer l'ordre du jour avant d'avoir d'autres échanges et de commencer cet ordre du jour par la décision modificative de la ville. Monsieur le maire, si vous êtes sur les coquilles, il faudrait recouvrir la délibération numéro 20 qui a comme titre délibération numéro 19. Donc nous avons à l'ordre du jour deux délibérations 19. Ok, on va les prendre dans l'ordre tout à l'heure, merci. Et pour ce qui est de cette décision modificative, vous le savez, on en passe chaque année lorsqu'il y a différents sujets qui remontent à la surface et qu'il faut appréhender. Dans le cadre, vous le savez également, de l'inflation très forte qui existe en ce moment, notamment sur les sujets énergétiques, mais pas que, nous avons une augmentation du coût de la restauration scolaire qui nous est impactée côté ville. Nous avons également une augmentation du point d'indice plus des reclassements de catégorie B qui ont des conséquences financières pour la ville. Mais au-delà de ces deux sujets sur lesquels nous pourrons évidemment délibérer juste après et échanger juste après, ce soir, je voudrais profiter de ce moment et de cette délibération, de cette première délibération, pour vous faire une annonce. Depuis à peu près 50 ans, notre commune n'a pas eu une vraie politique de santé. Et il se trouve que la chose avait été actée par l'ensemble des professionnels de santé lors des assises du printemps dernier. Depuis les assises du printemps dernier, nous avons travaillé d'arrache-pied, notamment avec mon premier adjoint, mais également avec d'autres élus, afin de trouver des solutions, afin de pouvoir accompagner notre commune, qui aujourd'hui est considérée, vous le savez, par l'ARS, comme un désert médical, et veiller à ce que celle-ci ne le soit pas sur la durée, et surtout que nous ayons enfin des médecins qui non seulement s'installent sur du court terme, mais également restent et permettent à Verneuil de ne pas être un désert médical, de ne plus l'être. Dans ce contexte, nous avons pris la décision de lancer dans cette délibération modificative un budget que vous avez affiché dans le tableau, qui est un budget conséquent et que nous assumons, un budget de l'ordre, qui n'est pas de l'ordre d'ailleurs, qui est un budget très précisément de 500 000 euros pour réhabiliter l'ancien CCAS et l'ancienne police municipale qui est située rue Aucane, vous le savez, place de la Liberté, afin de créer un projet qui est celui d'une maison des médecins. L'objectif ce soir, c'est avec le vote de cette délibération modificative, c'est de créer cette maison des médecins. Nous avons déjà des médecins avec qui nous travaillons depuis maintenant plusieurs mois, qui sont déjà très intéressés, avec lesquels nous sommes en train d'avancer. C'est évidemment pour nous beaucoup de plaisir, parce que c'est quelque chose qui aboutit, même si évidemment, il faudra, vous vous en doutez, qu'il y ait des travaux de réhabilitation, et par conséquent, ça prendra un an, comme dans tous les projets. En 2023, d'ici fin 2023, nous aurons une maison des médecins à Verneuil. Notre cible, ce sont les médecins généralistes, on ne va pas s'en cacher. C'est une excellente nouvelle pour notre commune, mais vous le savez aussi, nous avons dans cette ville d'autres difficultés, en particulier avec les médecins spécialistes. Et c'est toujours compliqué lorsqu'il y a des personnes qui partent à la retraite et qui sont là depuis très longtemps, de trouver des remplaçants, en particulier dans certains domaines. Et par conséquent, nous avons travaillé également d'arrache-pied afin de trouver des successeurs à certains de nos spécialistes. Alors, je ne peux malheureusement pas tout dévoiler ce soir pour des questions que vous devinerez, mais j'ai l'autorisation de vous dévoiler au moins une première information, à savoir l'installation à Verneuil, très rapidement, puisque dès ce matin, les offres ont été acceptées, d'un ophtalmo qui prendra la suite de la personne qui officiait jusqu'à présent, à qui nous devons beaucoup, mais surtout qui part à la retraite. Nous aurons a priori plus qu'un ophtalmo qui s'installera dans le cabinet qui va se créer, mais évidemment, nous aurons l'occasion d'en rediscuter et je le laisserai présenter à la ville s'il le souhaite ou plus globalement via ses propres manières de communiquer son installation. L'avantage que nous avons, c'est que non seulement nous avons donc des médecins qui viennent à Verneuil, mais surtout, et ça fait plaisir, même si je ne peux pas dévoiler les noms pour des questions évidentes, ce sont des jeunes et c'est non seulement donc des installations positives, mais en plus sur la durée. Donc dans cette première délibération que je vous propose de voter, ce n'est pas seulement pour voter, évidemment, des aménagements budgétaires. Il y en a chaque année. Ils sont évidemment au-delà du symbolique. Mais ce soir, c'est le coup d'envoi d'une maison des médecins, tant attendue par les habitants, tant attendue par vous, parce que je pense que c'est un sujet qui est largement transpolitique et qui va nous permettre d'avancer. Je vais être transparent avec vous avant de vous passer la parole et de pouvoir échanger. Aujourd'hui, nous n'avons signé encore aucun médecin. Nous ne souhaitons pas signer de toute manière de médecin avant les finitions des travaux, ce qui est normal.
Et par conséquent, tout ce qui est logistique, tout ce qui est intendance, tout ce qui est administratif n'a pas encore été traité, même si nous sommes en train de travailler sur les conditions que nous imposerons et que nous traiterons avec les médecins. Sur cela, je vous propose de passer la parole s'il y a des questions et je répondrai avec très grand plaisir. Madame Huard ? Alors, on est content que enfin vous ayez traité le sujet quand même, parce que les alertes sont nombreuses et régulières, et la dernière certainement est en réponse à nos tribunes respectives, je crois. Donc, c'est certainement une annonce. Excusez-moi, aussi quelle tribune ? Face à ça. Ben, je ne sais pas, vous êtes au comité de rédaction, non ? Vous êtes directeur de la publication de la tribune de Verneuil 78 ? Moi, je n'ai pas vu de tribune qui parle de sujet de santé. Mais Les Verneuiliens liront, ce n'est pas grave. En tout cas, c'était des alertes qu'on faisait depuis longtemps. Je me pose la question de l'opportunité de parler de maison des médecins. On sait qu'aujourd'hui, les médecins ne travaillent pas seuls. Et donc, ce n'est pas la maison des médecins. Ça devrait être une maison pluriprofessionnelle pour que les médecins puissent aussi y trouver l'assistance et les recours. Donc, le terme me semble déjà assez impropre et pas très accueillant vis-à-vis des professions paramédicales et qui pourraient faire à terme une CPTS éventuellement. Et la dernière chose, c'est que l'année dernière, la maison des opportunités devait se situer dans ses locaux. Et il y a un budget qui avait été déjà alloué pour la réhabilitation de cet espace pour la maison des opportunités. Est-ce que ces deux budgets s'additionnent ? De mémoire, je n'ai pas vérifié le chiffre, on était sur 300 000 euros, mais peut-être que je me trompe, vous me contredirez s'il le faut. Donc est-ce qu'au final, on est à 800 000 euros ? Si mes 300 000 euros sont justes. Et finalement, qu'en est-il du budget de la Maison des Opportunités pour lequel nous avions déjà voté sur cet espace ? Oui, mais vous avez voté également une délibération quelques mois plus tard dans laquelle ce budget était réaffecté. Réaffecté notamment sur des aménagements qui étaient urgents. Il y avait également des parcs, de mémoire, le jardin Marcel Gottlieb et les Jeux, mais je ne veux pas dire de bêtises. Ce budget avait été réaffecté entièrement parce qu'en l'occurrence, vous avez compris, suite aux alertes que nous avions eues des médecins généralistes sur notre commune, il nous a semblé urgent d'intervenir sur le sujet de la santé et de déplacer le sujet de la Maison des Opportunités qui reste à l'ordre du jour, mais pas à cet endroit-là. Et je me permets juste de vous répondre de manière très transparente. Nous avons pris le parti de partir sur une maison de médecins généralistes, parce que c'est ce qui nous manque le plus à Verneuil. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura peut-être pas, j'en sais rien, peut-être qu'on aura des infirmières, et je m'en réjouis, peut-être qu'on aura, a priori, pas de paramédical, puisque ce n'est pas l'objectif. Nous avons déjà beaucoup de paramédical dans la ville, mais nous sommes en train d'accompagner d'ailleurs l'installation de différents professionnels paramédicaux. Et notre ambition sur ce projet, qui est limité, hein, vous savez, c'est une maison dont vous connaissez à peu près la taille, on n'a pas 36 cabinets dedans, c'est un nombre restreint, mais nous, ce qu'on pense pour la ville, c'est qu'il y a un besoin de médecins généralistes. Pardon, il y avait une main levée à gauche. Donc, comme dirait l'autre, une citation assez courante, le hasard fait bien les choses, puisque, comme l'a dit ma collègue, les Verneuiliens découvriront notre tribune, du coup, qui va paraître un petit peu has-been dans le prochain journal. Et quel changement de position, en tout cas, par rapport à ce que vous aviez déclaré en réunion de quartier-centre-ville, où effectivement, la problématique du manque de médecins et du départ des médecins dans nos communes voisines avait été évoquée par les habitants, qui vous parlaient des différents projets de maisons de santé à Vilaine, Triel et maintenant Verneuillet, puisque un projet est en cours, sur lequel vous aviez répondu attendre de prendre une décision en fonction de ce qui se faisait à côté. Mais quel plaisir, quelques jours après que vous ayez reçu nos tribunes, je pense, respectives, d'avoir une DM proposée en commission sur ce sujet. Bon, après, on peut que s'en réjouir, puisque de toute façon, ce problème, on le partage. C'est ce qu'on écrit dans notre tribune, que vous avez peut-être consulté ou pas, d'ailleurs. Non, mais je veux bien avoir le contenu, parce que comme moi, je ne lis pas les tribunes et que... voilà. C'est un coup de chance, alors. Mais alors, en tout cas... Le sujet de santé n'est pas quelque chose de nouveau. Le sujet qu'on partage... Oui, mais vous n'aviez pas cette position il y a deux semaines. Si, il y a deux semaines, j'avais dit... Je ne sais pas ce que vous avez répondu aux habitants. Il y a deux semaines, j'ai dit « Tout viendra à point qui sait attendre ». Ah oui, bon, ça c'est exactement. Oui, bon, allez. Bon, enfin, en tout cas, c'était pas votre position il y a deux semaines. Après, on peut que s'en féliciter. On rebondira aussi sur ce que vous disiez. Depuis 50 ans, rien n'a été fait. Je pense que on peut pas vraiment dire ça. On a eu quand même une maison de santé en centre-ville qui était bien connue de tous. On a eu une maison de santé qui s'est créée, alors d'ordre privé, mais sur le quartier des Clairières. Des initiatives, il y en a eu. Après, pas public. Évidemment, qu'on est tous d'accord sur le fait qu'on doit apporter une réponse à ce manque de médecins. On peut que se féliciter que ce sujet soit enfin pris en main, puisque c'est une véritable inquiétude des habitants et une inquiétude qu'on vous remontait collectivement depuis un moment. Donc c'est une bonne nouvelle. Oui. Pour les aspects pratiques et techniques, c'est Blaise qui vous posera des questions. Oui, je peux.
Non, forcément, il faut avant tout penser aux Vernoliens, donc c'est une bonne chose. Moi, j'ai juste une remarque de fond à faire, pas tant de forme, mais de fond. On est un peu comme dans des entreprises, en fait. On attend qu'on soit dans des situations un peu compliquées pour réagir. Donc, je trouve que ça note d'un manque d'anticipation. Juste pour info, pour ceux qui ne le sauraient pas autour de la table, nous faisions partie de la liste menée par Olivier Melsens lors du premier tour des élections municipales en 2020. Et c'était déjà quelque chose qui avait été largement débattu pendant la préparation de la campagne. Alors effectivement, le Covid a bon dos, hein, le Covid a bon dos pour tout. Mais je trouve que c'est un peu dommage, et d'ailleurs je pense qu'ici autour de la table, tout le monde fréquente les médecins de Verneuil. Les médecins de Verneuil, croyez-moi, ils parlent auvergnoliens et auvergnoliens élus. Je trouve que c'est un peu dommage de voir effectivement qu'il y a cette défection de médecins aujourd'hui pour réagir. Je trouve que c'est un peu dommage de justement pas avoir anticipé suffisamment et même peut-être profiter de cette période Covid qui a été compliquée pour tout le monde, ça, pour justement lancer un projet qui est quand même un projet très structurant pour une ville de notre taille. Donc nous, forcément, on va voter pour, on va pas voter contre, il n'y a pas de position dogmatique stupide à avoir. Mais je trouve que c'est un peu ce que moi je constate dans les entreprises, et puis pour ceux qui ont une carrière dans le privé, je pense que dans le public c'est pareil. Bah, on attend toujours que ce soit la merde. Je suis désolé, j'ai pas de paroles politiquement correctes pour réagir. Et je trouve que c'est toujours un peu dommage. Mais ça ne déroge, enfin, on ne déroge pas la règle, hein, croyez-moi. Dans les boîtes, c'est pareil. Voilà. Donc, on votera pour, bien entendu. Avant les questions techniques de M. Dainville, je voudrais réagir effectivement à ce que disent mes collègues, c'est que, on le répète aussi ça souvent, en plus des difficultés que les Verneuiliens rencontrent à avoir accès à la santé à Verneuil, que nous n'avons pas du tout discuté de ces sujets en commission, qu'il y avait quand même un projet privé qui se projetait sur le boulevard André Malraux, qui peut-être ne se fait pas, mais on aurait pu aussi discuter de l'opportunité de soutenir ce projet. En tout cas, il y avait matière à débattre, mais on voit que ça se discute entre élus de la majorité sans faire émuler vos conseillers. Si je puis me permettre, ça ne se discute pas entre élus, c'est un sujet qui se discute d'abord avec les médecins. Et c'est dans ce cadre-là, si je puis me permettre, que c'est d'abord eux qui sont moteurs. Et c'est important parce qu'en fait, vous savez, une maison de santé vide, c'est Monsieur pas quelque chose d'impotable. Monsieur Offrechter, vous n'allez pas me raconter cette histoire à moi. Je la connais bien puisque je vous l'ai déjà récitée. Et j'en ai parlé aussi aux porteurs du projet privé que ça commence par la construction d'un projet médical. Et pour autant, et si on Alors, en avait si débattu en commission, je vous aurais dit la même chose et qu'il fallait commencer par le projet médical. Allez. Mais nous aurions pu tout à fait en discuter en commission et échanger et affronter. Il faut savoir nos parfois être d'accord. Pardon, il y avait une question sur la gauche. Mon attention est attirée quand même sur le fait que c'est un bâtiment ancien. Et ma crainte par rapport au bâtiment de France, c'est qu'on ne puisse pas le mettre en conformité pour l'accessibilité des personnes en situation de handicap et qu'on soit obligé d'accepter une demande de dérogation à la préfecture, ce que je me permettrai, croyez-moi, de m'opposer. Et si voilà. Je n'ai pas voulu en parler trop vite, c'est parce que nous attendions les résultats de l'architecte et je vous confirme que le bâtiment sera entièrement accessible. Évidemment, plusieurs questions, parce qu'on est là pour délibérer d'un budget, et que là, vous nous demandez de voter plusieurs choses, il n'y a pas juste une ligne. La première chose, c'est que vous nous demandez de voter une sérieuse augmentation à tous les points de vue. D'un point de vue, donc, évidemment, des charges de personnel, ce qui était attendu, d'un point de vue de la restauration collective, ce qui n'était pas attendu jusqu'à présent, ce n'était pas le chiffre que nous avions, et ce n'était pas le chiffre que vous aviez annoncé au début, donc ce chiffre a changé. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que vous nous demandez de voter un budget d'un demi-million d'euros pour cette maison de santé. Et le principe de la démocratie, c'est qu'on délibère sur les sujets et qu'on délibère notamment en commission. Et ce projet, il n'a pas juste un aspect financier, il a un projet aussi d'organisation de la maison de santé en elle-même. Donc ça concerne plusieurs commissions. D'un point de vue uniquement budgétaire, la question que j'ai sur les aspects techniques, c'est quel est l'équilibre économique et comment il va se construire pour cette maison de santé ?
Alors, si je puis me permettre, du point de vue financier, le sujet a été débattu en commission. Je n'y étais pas, mais je sais que le sujet a été évoqué. Et si je puis répondre sur l'équilibre économique, pour l'instant, on n'en est pas là. Puisque vous savez, aujourd'hui, vous étiez en plus à la réunion de quartier du centre-ville, les riverains s'inquiètent beaucoup du devenir de cette maison qui est aujourd'hui vide, puisque la police est déménagée et le CSAS également. Donc de toute manière, il va falloir réhabiliter ce bâtiment, et de toute manière, je suis tout à fait d'accord avec Christian, il faut le rendre accessible. Dans ce cadre-là, de toute manière, il y avait donc besoin de mettre un budget, et en plus, il se trouve, oui, que nous avons cette opportunité de créer à cet endroit-là un espace où des médecins généralistes vont pouvoir s'implanter. Donc c'est la conjonction des forces positives qui nous amène à ce budget. Maintenant, si vous me demandez les noms des médecins, les tarifs, les charges, j'en sais rien, c'est beaucoup trop tôt. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, il y a un besoin et qu'en plus, on a des médecins intéressés. Donc, on va travailler en bonne intelligence, comme on le fait depuis plusieurs mois. On a aussi beaucoup de gens qui nous ont contactés d'autres villes, d'ailleurs, qui étaient intéressés. Vous savez, on n'aura pas beaucoup de cabinets, on en aura maximum 4, 5. Ce n'est pas un grand espace, on a conscience. Mais on a tellement besoin de médecins généralistes qu'on est prêt de toute manière, évidemment, à tout faire pour en attirer. Mais donc du coup, soit vous n'avez fait aucune étude, est-ce que vous avez fait une étude déjà de l'aménagement qui permet de chiffrer ces 500 000 euros? Donc pourquoi ne pas en partager certains éléments en commission, puisque c'est le lieu pour le faire et le lieu de la discussion? Or, je vous rappelle que la délibération que vous avez proposée, sur laquelle vous dites que ça a été discuté, elle a été posée sur table, tant et si bien que même certains de vos adjoints n'étaient pas capables de pouvoir en discuter. Donc, soyons très clairs là-dessus, il n'y a pas vraiment eu de débat, puisqu'on a découvert sur table, et puis après, vous avez retiré de l'ordre du jour ce budget pour finalement nous le remettre sur table. Vous comprenez que dans les discussions qu'on peut avoir, nous, on a besoin de travailler les sujets, de les bosser sérieusement. Or, ici, nous n'avons aucun élément pour savoir sur quoi est fondé ce chiffre de 500 000 euros, de 1,5 million d'euros. Est-ce que vous nous demandez de vous faire confiance les yeux fermés? Moi, je regrette que vous ne posiez pas ce type de questions en commission, puisque vous y étiez. Mais si vous voulez des précisions, on vous les donnera quand on les aura. Moi, ce que j'ai besoin, c'est tout simplement de pouvoir lancer les travaux pour que dans un an, on puisse avoir des médecins. Si vous me demandez aujourd'hui exactement comment ça sera structuré, aujourd'hui, on ne sait pas. Si vous me demandez aujourd'hui pourquoi ça s'est fait, oui, tardivement. Les commissions étaient tardivement. C'est parce que Christian l'a dit très bien, c'est qu'on n'était pas prêt, moi j'étais pas prêt à mettre le moindre euro si j'étais pas sûr que ça pouvait être accessible. Et bah donc expliquez-nous pourquoi effectivement ce sera quelque chose d'équilibré financièrement, parce que vous n'allez pas mettre le moindre euro sans être sûr que ça fonctionnera. Donc expliquez-nous là, ce soir, comment ça va fonctionner d'un point de vue d'équilibre. Je ne vous demande pas les noms des médecins. Monsieur Dainville, je vous le répète, je ne vais pas vous expliquer comment va fonctionner quelque chose qui n'existe pas encore. Mais entre nous, à partir du moment où nous avons des médecins généralistes qui sont prêts pour la remplir, est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir de plus? Si c'est rentable, je ne suis pas sûr que la ville, de toute façon, ait besoin de chercher cette rentabilité. Peut-être qu'elle le sera rentable, je n'en sais rien. Mais si c'est ça votre objectif, moi, mon objectif, c'est d'abord offrir aux Vernoliennes et aux Vernoliens des médecins. Oui, je suis d'accord avec vous. Je n'ai pas parlé de rentabilité, j'ai parlé d'équilibre financier. Et ce que j'attends de votre part, c'est de la transparence et c'est de la délibération. Et ces deux points-là sont manquants ce soir. On n'est pas capable de juger sur quoi est fondé ce demi-million d'euros que vous demandez. Bien sûr, dans le fond, on est tous d'accord qu'il faut une maison de santé, qu'il faut les accompagner, qu'il faut les favoriser et qu'il faut voir comment ça peut être construit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je voudrais maintenant aller sur la question de l'augmentation de la restauration scolaire. Nous n'avons pas pu avoir de justificatif de cette hausse et de la demande provenant du service de restauration, du prestataire. Bon, pour ce qui est de la maison de santé, de toute manière, moi, ce que je peux vous proposer, et c'est parce que les choses ont été très vite qu'on va la voter aujourd'hui, cette délibération, et ainsi pouvoir lancer les travaux aussi vite et espérer avoir cette maison avant la fin 2023. Mais je n'ai aucun problème, lorsque nous aurons plus d'informations, plus de détails, peut-être demain les noms des médecins, de vous le partager en conseil municipal. Au bout d'un moment, en tout cas de notre côté, l'objectif, c'était de ne pas perdre de temps. Pour ce qui est de conviviaux, et Paul pourra dans un instant rajouter si besoin, vous le savez de toute manière, nous sommes dans un moment où très, très compliqué avec l'inflation galopante, que ce soit sur les prix de l'énergie, de l'essence évidemment, je pense que nous l'avons tous en tête. Et dans ce cadre-là, ce sont tous les prestataires, pas seulement de la mairie d'ailleurs, toutes les entreprises qui se retrouvent confrontées à des situations qui sont délicates. Ce midi. Oui, mais je comprends. Mais on n'a pas de justificatif. Encore une fois, on est là pour faire un travail. On n'est pas là juste pour vous dire faites-nous confiance. Excusez-moi, etc. Encore une fois. On est incapable une fois, de faire ce travail-là. Bon, je laisserai la parole après, mais encore une fois, ça a été débattu en commission, il me semble. Et les commissions servent à apporter tous ces détails techniques avec les agents qui sont là. Mais pour vous répondre, puisque cet après-midi, j'étais à Dolto.
Et si vous allez dans les écoles, Dolto est un bon exemple sur l'accueil scolaire, par exemple, eh bien, vous avez sur les portes ces grands panneaux avec marqué « Désolé, Convivio n'a pas en ce moment la possibilité de respecter sa chaîne d'approvisionnement et doit donc élaborer des repas avec des menus parfois différents de ce qui est proposé, dans des timings parfois plus compliqués, plus serrés, ce qui d'ailleurs met parfois en difficulté nos propres agents. Dans ce contexte, malheureusement, eh bien, nos prestataires étant en difficulté, il faut savoir les aider. » Le sujet qui est là pour Convivio, je suis à peu près persuadé que nous l'aurons malheureusement pour d'autres prestataires. Et c'est exactement ça la question. C'est qu'ici, on sait déjà qu'il y aura encore d'autres augmentations et que jusque-là, vous n'avez aucun justificatif à nous proposer. Il y a donc un problème de transparence. Alors, je vais juste apporter une précision. Sur quoi se base-t-on pour annoncer en commission qu'il y a une augmentation de 20%? D'ailleurs, c'est une augmentation de 16,5% auxquelles s'ajoutent les 3,5% qui ont déjà été payés, qui ont déjà été augmentés en début d'année. Vérification faite sur le courrier qui nous a été envoyé par le prestataire Convivio et qui a été envoyé de manière totalement similaire à l'ensemble des communes alentour, ce qu'on a pu vérifier. Et bah passez-nous le document. Qu'est-ce que ça empêche s'il y a ce document? Ça fait partie de la transparence. Excusez-moi. Avant le conseil municipal. Oui, d'accord, mais vous auriez demandé... Monsieur François Dainville, vous auriez demandé en commission la communication du courrier dont on a parlé, et parce qu'on a évoqué le sujet en commission, on vous aurait transmis d'ici à ce conseil municipal le dit courrier. La loi m'autorise à avoir ce document-là jusqu'au moment du vote. Je vous l'ai demandé dans les temps. Monsieur Dainville, OK. De toute façon, c'est un document qui est public. Je crois que même qu'il circule sur les réseaux sociaux, donc on ne va pas s'en cacher. Donc OK, on va vous le transmettre. J'ai pas de problème. Ça ne sert à rien de passer deux heures à discuter sur cette question. Il n'y a pas de transparence, et c'est clair. Vous ne l'avez pas donné avant, alors que finalement, c'était facile pour vous de le donner. Une autre question, Monsieur Malray. Monsieur Malray, je voudrais savoir. On me précise que votre demande date d'hier soir. C'est un peu tard. Hein. Bon. Et alors, ça compte pas, c'est ça? Mais vous demandez de réagir en 24 heures pour les services, c'est pas terrible pour les services. Mais vous l'aurez. Donc, le mieux, c'est de le donner avant le vote, parce que je vais vous poser une autre question, Monsieur Malray. Vous l'auriez demandé en commission, vous l'auriez. En fait, c'est pas comme ça que ça se passe, Monsieur Malray. Il y a des légalités. Oui. On vous demande le document dans les temps, vous devez nous le donner. C'est comme ça, malheureusement. Je suis désolé. Écoutez, on verra. Monsieur Dainville, on va pas épiloguer deux heures. Je vais poser une question technique. Je vous laisse poser votre question. Je vous laisse poser votre question parce que pour ce qui est de comment ça se passe, je suis désolé, mais ce soir, ça se passe bien. Allez. Posez votre question. Je suis ravi que vous soyez content des documents. Moi, je manque de transparence pour pouvoir faire mon travail. Je vous demande pas des... Je suis en activité professionnelle tout le temps à côté. Je fais cette activité à titre bénévole. Vous n'êtes pas le seul, s'il vous plaît, posez vos questions. Et effectivement, je travaille le soir parce que je n'ai pas d'autre moment. Donc, je suis désolé si je vous ai envoyé un document hier soir, une demande. Et franchement, c'était dans les temps. Alors, la deuxième chose qu'il faut savoir, Monsieur Malray, c'est cette hausse de 116,5%. Elle est prorata parce que les 400 000, là, c'était le budget de l'année totale. Le 400 000, c'était le budget de l'année totale. Donc là, les 16,5% de la hausse, c'est prorata à partir de quelle date, vu que vous avez lu le document? Je pense que parle sous le contrôle de François Tréhaut. C'était pour application immédiate. C'est-à-dire qu'en fait, la menace qui était celle du prestataire, c'est d'arrêter les prestations si on ne satisfaisait pas. Si je puis me permettre, je vais vous donner le chiffre. Comme ça, vous allez l'avoir. Mais vous pouvez le demander à tous vos collègues et tous nos collègues des villes à côté. Dans les villes autour, l'augmentation, elle est entre 20 et 24%. C'est la moyenne. Nous, vous nous l'avez d'ailleurs suffisamment reproché, nous avons renouvelé le contrat très récemment. Et dans ce contexte, nous avons réussi à négocier un tout petit peu moins. Ce n'est pas la panacée. On est tous conscients qu'il y a eu des difficultés. Maintenant, on a le choix. Vous savez, on a discuté avec eux. Le choix, c'est simple. C'est soit on ne paye pas et auquel cas, il n'y a plus. Et du coup, il faut relancer un marché. Et si on relance un marché, eh bien, on sait, parce qu'on a vu ce qui s'est passé l'année dernière avec les marchés, qu'on aura des moins bonnes offres, des offres beaucoup moins bonnes. Soit on avance. Mais c'est prorata, c'est depuis le début de l'année, c'est quand? Là, on est sur un calcul qui est très précis. Est-ce que c'est depuis le début de l'année? Est-ce que le prestataire, il a donné mais moi, je suis très, très étonné que là, vous ne sachiez pas à ce niveau-là, puisqu'on est en train de voter cette délibération et que vous soyez en train de vous dire est-ce que c'est prorata ou pas prorata. C'est depuis, j'ai un doute, on va vérifier, mais c'est soit 1er septembre, soit 1er octobre. Mais peut-être que M. Malray peut nous répondre, c'est sa spécialité. Pourquoi vous voulez jouer au col? Est-ce que vous voulez que je vous pose des cols aussi? Vous êtes en train de nous demander de passer une augmentation de 65 000 euros, vous n'êtes pas capable de nous dire le chiffre qui est calculé. Monsieur le maire,
Monsieur le maire, oui. Je demande la parole, s'il vous plaît. Monsieur François Dainville, vous avez fait preuve d'un formalisme que j'approuve en début de conseil, en demandant et en votant contre, d'ailleurs, sur une réserve de légalité. Moi-même, je suis aussi très formaliste comme vous, et j'approuve votre démarche. Simplement, le formalisme, c'est le règlement intérieur, qui stipule que toute question doit être transmise 48 heures avant le conseil. Quand vous nous dites, moi je travaille, vous croyez que nous on se repose peut-être ? On travaille tous, monsieur François Dainville, et notamment nos services, travaillent d'arrache-pied pour préparer un conseil municipal. Donc monsieur le maire est bien gentil de répondre en temps réel aux réponses dont il dispose à vos questions. Simplement, je vous demande d'arrêter de le mettre en garde à vue. Allez, je propose de passer... Non, attendez, je suis désolé. Je propose de passer au vote. J'apprécie la... Je propose de passer au vote, puisque j'ai le droit de le faire. Excusez-moi, j'ai pas pu prendre la parole. J'ai deux questions très pratiques. On est sur un marché public, une augmentation de plus de 20%, enfin d'à peu près 20%. Logiquement, on est censé passer un avenant à ce marché public. Est-ce que l'avenant a été signé de la part de la ville ? Parce que vous dites que l'augmentation est au 1er septembre, au 1er octobre, je veux bien. Je l'entends, ça part d'un courrier, mais ça doit être avenanté. Donc à quelle date a été signé l'avenant ? Et la deuxième question, et je pense que c'est cette question-là qui intéresse le plus les Vernoliens, c'est, vous aviez dit que les 3,5% c'était sur le compte de la ville. Est-ce que les 20% c'est sur le compte de la ville, ou est-ce que les familles vont être impactées par cette augmentation ? Alors, sur la réponse 1, pour parler formalisme, il y aura un passage en AO, en commission d'appel d'offres, et ensuite, comme il se doit, évidemment, on ne va pas le signer dans un coin. Donc, il y aura toute la procédure qui sera suivie, évidemment. Donc, on ne peut pas la passer au 1er octobre, puisque ça n'a pas été avenanté. Si, on me souffle que si, administrativement parlant. Après, je vous laisserai voir avec les services si vous avez un doute, mais la réponse est si. Faites vérifier auprès de vos services, parce que... Mais ils sont là, ils sont en direct, il n'y a pas besoin de poser. Oui, enfin, je connais les compétences de François, mais je pense que là-dessus, il faut vérifier. Bon, moi, j'aime pas remettre en cause les... Bon, c'est vérifié, on me dit en plus en direct que c'est vérifié. Pour ce qui est de la répercussion, je vous l'ai dit l'année dernière, donc je peux le répéter. Je l'ai dit au printemps dernier, donc je peux le répéter. L'objectif, c'est de ne pas augmenter cette année les tarifs de la restauration scolaire, mais je l'ai dit également l'année prochaine. Non, mais je finis ma phrase. Cette année 2022, si je vous confirme, c'est ce que j'ai dit. Sur l'année 2022, il n'y aura pas d'augmentation. Par contre, nous reverrons tous les tarifs en 2023. Sur cela, je propose de passer au vote en laissant une dernière prise de parole à Fabien Lemoine. Oui, juste une explication de vote. Je ne prendrai pas part au vote sur une modification d'un budget que je n'ai pas voté en début d'année. C'est pour rester cohérent. Allez. Je vais aussi ajouter, par souci de transparence, que vous aimez la vérité, que la question a été posée sur le 500 000 d'euros et son utilisation en commission à M. Malraix, et la réponse a été... très, très juste, dans le sens où le projet n'a pas été expliqué. Donc il ne faut pas dire que ce sont des sujets qui ont été traités en commission. Allez, qui est-ce qui ne prend pas part au vote ? Qui est-ce qui s'abstient ? Qui est-ce qui s'oppose ? J'en déduis que c'est adopté. Et je me félicite du coup du coup d'envoi du projet de maison des médecins. Et je propose de laisser la parole à Paul pour maintenant un certain nombre de délibérations un peu techniques. Oui, ce sont beaucoup de délibérations techniques. Je vais essayer de faire assez court, sauf s'il y a des questions particulières. Mais voilà. La première concerne les créances éteintes, comme chaque année. C'est-à-dire que ce sont les créances qui ont été passées, qui ont été admises en non-valeur par le Trésor public, sachant qu'à partir du moment où une créance a du retard, elle est mise en recouvrement et suivie par le Trésor public qui déclenche l'action en recouvrement. Et au terme de cette action en recouvrement, quand une décision de justice est prononcée, quand une décision juridique extérieure intervient, eh bien, on les admet en non-valeur et nous, on les comptabilise en quelque sorte en perte. Pour le montant est peu important, ça porte sur 461,32 €. Voilà, je n'ai rien à dire de plus. Je vous demande donc de le voter. S'il n'y a pas de prise de parole, je propose de passer au vote. Qui est-ce qui s'abstient ? S'oppose ? J'en déduis que c'est adopté.
Seconde, comme chaque année, seconde catégorie, ce sont les créances douteuses. Les créances douteuses, ce sont, il faut savoir, alors ça concerne une période de 2012 à 2020, ce qui montre la longueur d'ailleurs de l'action en recouvrement du Trésor public. On a 842 créances qui sont concernées. Ça touche essentiellement des impayés de cantine. Un montant moyen de 108 euros. Donc, ce sont les familles qui n'ont pas payé, qui ne peuvent pas payer, qui ont disparu. Enfin, bref. Voilà. Et donc, il y en a pour globalement 13 600 euros qu'il faut passer en provision pour créances douteuses. Je propose pareillement de passer au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? J'en déduis que c'est adopté. Troisième délibération suivante, un acompte sur la subvention de 2023. Comme chaque année, on ne peut engager de dépenses pour la mairie que lorsque le budget est voté. Pour éviter que l'action de la commune soit bloquée par le différé de vote qui intervient souvent en mars ou en avril, il faut voter une délibération qui vote un acompte. Et là, en l'occurrence, ça concerne le CCAS pour 35% des crédits qui avaient été ouverts en 2022 pour un montant global de 147 000 euros. Ce qui veut dire que le CCAS pourra engager, avant le vote du budget, 147 000 euros de dépenses. Voilà, et je vous demande donc de le voter. Je propose de le passer au vote, s'il y a des prises de parole. Qui est-ce qui s'oppose, s'abstient? J'en déduis que c'est adopté, ce qui nous permet de passer à l'ouverture de crédits d'investissement sur le budget ville. De la même façon, il faut aussi prévoir un budget pour le budget ville. Celui-là, je crois qu'il est à hauteur de 25%. Alors, ça concerne pour 44 000 euros les immobilisations corporelles, 373 000 euros sur le chapitre 21, les immobilisations corporelles, et 164 000 euros les écoles, sur l'opération particulière 9914, les écoles maternelles. Là encore, je vous demande de le voter. Merci beaucoup. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je propose de passer. Oui, allez-y. J'ai une demande. C'est un peu technique, mais vous pouvez expliciter ce qu'est l'opération 9914 et les chapitres 20 et 21. En gros, quels sont les projets qui se retrouvent finalement en IMO incorporel, corporel, etc. Je vais laisser le maire là sur cette opération-là. Je crois que c'est les écoles maternelles. Non, les trois. Pardon. Moi, je suis pointilleux, donc les trois. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait... Non, mais je vais vous répondre très simplement. En fait, c'est comme chaque année, c'est la même délibération. Donc, en fait, il n'y a pas de projet fléché. Ce sont des ouvertures de crédit s'il y a des besoins de petits travaux à droite ou à gauche pour éviter qu'il y ait, entre guillemets, une enveloppe qui ne soit pas assez conséquente sur les débuts d'année. Donc, il n'y a pas de projet fléché. Ce n'est pas de l'investissement au sens compris. C'est une forme de provision, enfin, crédit d'investissement. Tout à fait. D'accord, merci. C'est plus clair. Je propose de passer au vote. Qui est-ce qui s'abstient, s'oppose? J'en déduis que c'est adopté. Et de pouvoir passer à une délibération qui, pour le coup, m'importe beaucoup. Alors, ça concerne la mise en place d'une allocation aux parents d'enfants handicapés. Donc, cette allocation, les communes peuvent ou non l'accorder. Verneuil a choisi cette année de l'accorder. Et elle concerne les différents cas de figure. Pour les enfants âgés de moins de 20 ans, cette aide est versée aux parents attributaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. En cas de perte d'AEEH, l'APEH n'est plus versée. Pour les enfants âgés de 20 à 27 ans qui poursuivent des études, un apprentissage ou un stage de formation professionnelle et ne sont pas bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé, l'APEH peut être versée aux parents qui en assument la charge. Cette allocation en 22, à titre indicatif, elle est de 167,54 euros par mois, ce qui représente annuellement quelque chose comme 1 800 euros. C'est quelque chose qui était demandé par plusieurs agents. Il n'y en a pas énormément, évidemment, de concernés, mais par plusieurs agents. Et dans ce cadre-là, il nous semblait important de mettre en place cette allocation. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole ou des questions? Bon, ça reste technique. Oui, je vous écoute.
Oui, il nous avait été dit en commission que cette somme était versée uniquement dans le cas où l'enfant vivait au foyer des parents, hein, au foyer parental en fait. Et nous avons des agents qui sont dans ce cas-là, oui. D'accord, c'était bien ça. Oui, c'est-à-dire que ce qui est également précisé dans la libération, c'est que cette allocation ne peut pas être attribuée lorsque l'enfant est placé en internat permanent. Ça, c'est le cadre national. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? J'en déduis que c'est adopté, et franchement, je m'en félicite, puisque c'était une délibération qui était attendue par quelques agents. Je continue peut-être avec les modalités de recrutement d'agents en parcours emploi compétences. La commune emploie actuellement comme vacataire une personne qui serait susceptible de bénéficier d'un dispositif particulier qui s'appelle le parcours emploi compétences. Alors, le contrat de travail en parcours emploi compétences est un contrat de droit privé. Il peut être établi sous la forme d'un CDD d'au moins 6 mois, au cours duquel le salarié peut être à temps plein ou à temps non complet. La rémunération est égale à 45% du SMIC pour une durée hebdomadaire de 20 heures et un contrat de 10 mois. Comme il s'agit d'une aide pour un agent, j'imagine que ça ne fait pas forcément débat. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je propose de le mettre au vote. Qui est-ce qui s'abstient, s'oppose? J'en déduis que c'est adopté. Et je vous propose de passer à l'octroi de prestations d'action sociale avec l'attribution de titres restaurants aux agents communaux et modalités d'attribution. Avant de rentrer dans le détail que Paul va vous présenter, je me permets juste un tout petit mot, puisque vous le savez peut-être, mais en début d'année, nous avons lancé, après une discussion, une négociation avec les syndicats de la ville, un sondage pour demander aux agents les avantages qu'ils souhaiteraient obtenir suite à de l'argent qui avait été réaffecté, en particulier. Suite à ce sondage, nous avons donc eu une forte majorité des agents qui ont préféré, parmi les propositions, la mise en place de titres restaurants. Ces titres restaurants sont très attendus, vous vous en doutez, maintenant qu'ils ont eu les résultats du sondage. Et donc ce soir, Paul va rentrer dans les techniques, dans la technique, dans le déroulé. Et bien évidemment, nous allons vous proposer de mettre en place ces titres restaurants qui seront à la fois évidemment une manière de développer l'attractivité pour nos agents, mais également évidemment de participer au bien-être. Et je te laisse détailler. Bon, je vais pas tout détailler, je vais aller à l'essentiel. La commune propose la mise en place de titres d'une valeur unitaire de 6 euros avec une répartition à 50-50 entre l'agent et l'employeur. Les agents qui le souhaiteront, puisque c'est un dispositif optionnel, il faut que les agents y adhèrent, régleront leur quote-part, c'est-à-dire 3 euros par titre, chaque mois, par prélèvement sur leur rémunération. La forme que prendront ces titres restaurants, ce sera la remise d'une carte, d'un format carte de crédit, sur lequel viendront se débiter les dépenses des agents, un peu comme une carte bleue. Que dire encore? Donc les titres de restaurant seront dématérialisés pour en faciliter la gestion, à la fois par les agents et par l'administration de la commune. Elle sera attribuée à donc tous les agents qui exercent leur activité à titre principal auprès de la collectivité, qu'il s'agisse des fonctionnaires titulaires ou stagiaires, des agents contractuels de droit privé ou encore des stagiaires sous convention. Sont en revanche exclus du bénéfice de l'attribution du titre restaurant les agents employés en activité accessoire, les agents en détachement en dehors de la collectivité, les agents en contrat de moins de 2 mois, les vacataires, les stagiaires qui viennent d'écoles non gratifiées, les bénévoles et les volontaires sous contrat de service civique. Dernier point, les titres restaurants sont distribués chaque mois sur la base des droits acquis le mois précédent. Alors, un dernier point important. Alors, le dispositif sera mis en place le 1er décembre 2022 l'option qui sera prise par les agents sera irrévocable pour l'année civile. Je crois que j'ai dit l'essentiel. Je ne sais pas s'il y a des demandes de prise de parole, mais avant le cas échéant de passer au vote, je voudrais juste en profiter, puisque j'avais eu une question, c'était il y a quelques temps maintenant, peut-être même une bonne année, de votre groupe qui m'avait posé une question fort juste à propos du CNAS.
Et c'est dans ce cadre-là aussi qu'avec les réaffections, nous allons remettre en place, comme on s'y est engagé, je l'avais dit ici, donc je ne fais que tenir parole, la proposition à tous les agents retraités de la ville de Verneuil de pouvoir faire une demande pour se réabonner au CNAS de manière individuelle et non plus par groupe, puisqu'en fait, cela coûtait extrêmement cher à la commune de passer par groupe et il y avait peu d'usage. Donc tous ceux qui souhaitent se réabonner au CNAS, vous pouvez, et vraiment je vous encourage à tous les élus ici, à tous ceux qui nous regardent, passez le mot. Si vous avez des anciens élus de la commune qui souhaitent se réabonner au CNAS, vous faites simplement un message au RH. De toute façon, vous avez en principe reçu des courriers. Mais si ce n'est pas le cas, vraiment, passez le mot. Et il y aura cette possibilité dès à présent de pouvoir se réabonner au CNAS, ce qui était une demande très forte. S'il n'y a pas d'autres prises de parole, je propose de pouvoir passer au vote. Qui est-ce qui... Oui, pardon. En fait, c'est juste pour avoir, savoir comment les 6 euros ont été déterminés. Parce que comme ça, ça paraît faible comme montant. Alors, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que ces 3 euros qui sont pris en charge par, la mairie, ça représente pour un employé à plein temps sur une année un bonus financier de 500 euros. Hein, donc, c'est un coup de pouce au pouvoir d'achat. Ça, c'est côté agent. Côté mairie, il est évident qu'on calibre ce qu'on offre aux agents en fonction d'un budget qu'on se fixe et dont on n'est pas certain parce qu'on ne sait pas combien exactement d'agents vont adhérer au système. On pense qu'il y en a une bonne partie, mais c'est à vérifier. Et voilà. Je me permets de renchérir parce que, et pour rebondir sur ce que dit Paul, et celles et ceux qui siègent au CT, au comité technique de la mairie, m'ont entendu le dire, donc je le répète en séance plénière, je me suis engagé, j'ai pas de problème, à ce qu'on revoie, qu'on fasse le bilan au bout d'une année, et qu'on voit l'usage, qu'on revoit si on revalorise ou pas, on travaillera ça en comité technique, il n'y a pas de problème. Ce montant, on est parti des enveloppes qu'on a récupérées en fait en restructurant certains budgets, mais évidemment, suivant l'usage et suivant ce qui sera possible, il n'y a aucun problème pour rediscuter avec les représentants des agents. Allez, qui est-ce qui s'oppose ? S'abstient ? J'en déduis que c'est adopté et je pense que les agents vous remercieront. Je propose de passer à la délibération suivante qui est pour le coup encore plus technique, en tout cas plus technique, avec la mise à jour du tableau des emplois permanents. Délibération, c'est une figure imposée des conseils municipaux et je laisse Paul à la figure. Alors, les deux délibérations, la première là, sur le tableau des emplois permanents et le tableau des effectifs qui suivent, sont évidemment liées. La première délibération sur le tableau des emplois permanents, l'essentiel des modifications apportées concerne les réajustements d'horaires pour certains professeurs de l'école de musique en tenant compte des heures nouvelles qui ont été accordées pour tel ou tel instrument. Dans la méthodologie d'établissement de ce tableau, on procède par suppression et par création, même s'il s'agit simplement d'une modification d'heures. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Ça reste à la marge, y compris pour l'école de musique. Ce que je propose, sauf s'il y a des questions, c'est de voter ces délibérations. Oui, j'ai une question, s'il vous plaît. Je vous en prie. Non, je vous en prie. D'accord. Donc, je vois qu'il a été modifié et qu'il a été mis à jour et que, à nouveau, il y a les plus 15 auxiliaires de péricultrices qui avaient disparu mystérieusement. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus là-dessus? Il n'y a pas de création ni de suppression. C'est dans la mécanique d'établissement du tableau. J'avoue que je ne connais pas toutes les règles d'établissement de ce tableau, mais ça ne correspond à aucune création ni suppression de postes. Donc le tableau qu'on a voté la dernière fois était incorrect. Je ne sais plus, je dois vous avouer, je ne connais pas par cœur tous les tableaux, mais le cas échéant, je sais que celui-là, il est bon, puisqu'on l'a fait revérifier ce matin. Donc, en tout cas, il y a bien ces 15, je vous confirme. Ok, du coup, il était incorrect cette fois-là, il était incorrect la fois d'avant, et il était incorrect au moment du budget.
Non, je ne pense pas, mais... Je vous confirme, il était incorrect au moment du budget. Vous aimez bien donner des leçons, je ne sais pas. François Non, Trouve, non, non, c'est le budget dont on parle et qu'on a voté tous ensemble. Le chiffre était faux. Non. Et donc, vous avez sous-déclaré le nombre de personnes qui étaient embauchées par la mairie. Bon, monsieur Dainville, vous aurez une réponse précise demain, et je m'y engage à ce que les services vous répondent. On vote ce soir. Mais excusez-moi, monsieur Dainville, à chaque fois, vous arrivez le jour même avec des tas de... Et là, il manque une virgule, et là, il manque un point, et là, ok... Fallait venir soit en commission. C'est 15 personnes en moins qui n'étaient pas dans les effectifs. Et pourquoi vous ne l'avez pas vu alors en commission ? Je l'ai vu en commission. Ah, vous ne l'avez pas dit parce que ce n'était pas assez drôle. C'est mieux ce soir pour faire le show. Non, je l'ai vu en commission et je l'ai dit en commission. Et c'est la raison pour laquelle ce chiffre est corrigé. Je l'ai dit il y a 6 mois. Je l'ai dit quand je l'ai dit, vous m'avez accusé de faire des fake news. Je vous le redis encore une fois, je vous ai dit, il y a un problème dans le tableau Excel. Et vous m'avez accusé de faire circuler des fausses informations, monsieur Malray. Donc non, ce soir, est-ce que vous reconnaissez que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Vous citez en fait, autre chose, mais ça n'a absolument rien à voir. En fait, monsieur Malray, j'ai pas envie de rentrer dans de la polémique. On tombe toujours dans les mêmes. Non, on va faire quelque chose de simple, c'est qu'on va avancer. Parce que sur ces tableaux, par ailleurs, honnêtement, moi, je m'adresse aux Vernoliens avant tout. Et je pense que sur ces tableaux. Il s'agit de sujets techniques, mais vous aurez une réponse demain dès la part des services, puisque ce sont eux qui établissent ces tableaux et pas moi. Monsieur Frechter, je voudrais rétablir aussi une vérité sur l'organisation, à savoir comment ça se passe les commissions, parce que vous n'arrêtez pas de dire vous auriez dû poser la question en commission, vous auriez dû faire le travail en commission. Alors, pour expliquer aux Vernoliens comment ça se passe, cette commission, elle a été convoquée il y a une semaine. Nous recevons des documents et vous nous demandez, en à peu près 1h30 de réunion, de pouvoir analyser tous les documents qui nous sont communiqués que quelques jours à l'avance, d'avoir une analyse, des questions précises et de pouvoir objectiver le travail finalement de service et du travail des adjoints qui sont à 100% dessus, mais nous sommes surcompétents et nous devons absolument faire ces analyses en espace d'une heure. Eh bien non, de temps en temps, nous prenons une semaine entre la commission et le conseil pour analyser les documents. Si nous avions des commissions un petit peu plus régulières où nous pouvions échanger pendant ces commissions et pas être sifflés à la dernière minute veille de conseil municipal, nous aurions le temps de pouvoir poser sereinement et tranquillement ces questions et Madame de pouvoir permettre au service de répondre aussi tranquillement aux questions de monsieur François Dainville qui me semble tout à fait légitime. J'ai posé la question il y a 6 mois. Bon, j'ai posé Madame la Huard, question. Si je puis me permettre, monsieur Malray, j'ai posé la question. Vous avez la possibilité de poser vos questions par écrit. Il y a un règlement du Conseil. Les questions par écrit, c'est sur les questions orales ou les questions supplémentaires, mais pas sur les questions qui concernent les points de l'ordre du jour. Les questions écrites ne concernent pas forcément l'ordre du jour et d'ailleurs principalement pas l'ordre du jour. Il y en a à vos côtés qui le font. Oui, mais je n'ai pas de problème avec ça. Pourquoi vous me parlez des questions écrites ? Parce que quand on demande aux questions écrites non plus. Quand on vous répondez pas forcément, de toute façon, puisque il n'y a pas si de délai. Si ce soir, non, c'est que c'est vous répétez aux Vernoliens sans cesse que nous ne parlons pas en commission et que nous ne posons pas de questions. Oui, parce que nous ne pouvons pas surréagir en commission puisque nous découvrons tout à ce moment-là. Donc vous ne demandez pas l'impossible. Vous avez les documents en avance des commissions. J'ai posé les questions en commission. J'ai posé les questions en commission. Et quelles ont été les réponses alors ? Alors quelle a été la réponse de Monsieur Malray à la Ça fait 6 mois qu'ils sont faux. Bon. Allez. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on revienne. Et que M. Malray dit toujours qu'ils sont justes. Bon, allez. Non, pour la mise à jour du tableau des emplois permanents, qui est-ce qui s'abstient ? Qui est-ce qui s'oppose ? J'en déduis que c'est adopté. Pour ce qui est de la modification du tableau des effectifs, puisque cela a été présenté c'est de pair. C'est la répercussion simple de ce qu'on vient de dire sur le tableau des emplois. Vous reprenez mes votes, nos votes de notre groupe sur les trois. Voilà. Allez. Qui est-ce qui s'abstient ? C'est pas vous qui avez les pouvoirs de police de l'Assemblée. Non, ce mais soir. Par contre, monsieur vous en abusez. Debget. Allez, monsieur Fréjabu, vous voulez dire quelque chose ? Vous me donnez la parole, j'allais la prendre à la fin du Conseil. Bah non, prenez-la. Je vous remémore notre proposition du précédent Conseil sur les calendriers de commission et de pouvoir travailler plus sereinement. Donc ça va un petit peu dans le sens de ce que dit Madame Huard. Je réitère, mais je sais que vous m'avez dit non la dernière fois, c'était visiblement impossible. Malheureusement, ce n'est pas moi qui les fixe, ce sont les agents. Quand on veut, on peut. Eh bien, je vous enjoins à le dire aux agents qui sont présents lors des commissions. Et qui est le chef du personnel communal, monsieur le maire ? Le directeur général des services, monsieur. Et vous êtes aussi le chef, monsieur le maire ? Pas le chef, ce n'est pas le bon terme. Ah, enfin, bref, le chef, vous pouvez nous jouer allez, sur les termes. Allez, modification du tableau des effectifs. C'est toujours une question de volonté. Bien sûr. Qui est-ce qui s'oppose sur la modification du tableau des effectifs au 1er novembre 2022 ?
Qui est-ce qui s'abstient? J'en déduis que c'est adopté. Ce que je vous propose, c'est de passer à la délibération suivante, qui est la mise à jour des postes en apprentissage. Bien, donc, mise à jour des postes en apprentissage. Considérant que le contrat d'apprentissage est un contrat de droit privé par lequel l'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprenti ou section d'apprentissage, l'apprenti s'oblige en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur pendant la durée du contrat et à suivre cette formation. Considérant l'évolution des besoins des services, le poste d'apprentissage au sein du service des finances n'est plus adapté aux nécessités du service. Simplement une adaptation du poste d'apprenti aux finances. Bon, il s'agit d'une délibération technique. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je propose de passer au vote. Qui s'agit... Moi, j'ai juste une question. Oui, j'ai une question. Je vous en prie. Il est précisé qu'il y a un avis du comité technique du 27 septembre, oui. Et on ne sait pas quel est cet avis. Est-ce qu'on pourrait il était favorable. Pardon, oui. Pardon, mais oui, j'étais au comité technique. Juste une question. Pourquoi le poste d'apprentissage au sein du service des finances n'est plus adapté aux nécessités du service? Question piège. De mémoire, c'est parce qu'il a été remplacé par un poste. Il a été remplacé par un poste permanent. Il a été remplacé par une personne qui était non plus en apprentissage, mais en CDD. En poste permanent, en CDD. En poste permanent. À sa demande. Merci. Allez, qui est-ce qui s'abstient? S'oppose? J'en déduis que c'est adopté et je vous propose de passer à la délibération relative à la mise en œuvre du forfait mobilité durable. Donc, mise en œuvre du forfait de mobilité durable. L'idée qui est née dans le secteur privé, semble-t-il, a pour objectif d'encourager les travailleurs à recourir davantage aux modes de transport durable que sont le vélo, les engins de déplacement personnel motorisés, tels que les différents modèles de trottinettes, patinettes électriques, gyropodes, monoroues et hoverboard. Et aussi, et c'est important, l'autopartage ainsi que le covoiturage pour la réalisation des trajets domicile-travail. Ce dispositif est facultatif et il revient à chaque collectivité de délibérer pour le mettre en application selon les conditions à définir. Ce que l'on propose, c'est un forfait mobilité durable de 200 euros maximum par an qui est exonéré d'impôts. De même que j'ai oublié de le dire pour les tickets restaurants ne sont pas imposables jusqu'à une certaine limite de revenus, mais je pense que ça concerne l'ensemble de nos agents. Donc là, c'est un forfait de 200 euros. Que dire Je pense que c'est plutôt... Oui, alors simplement que ce dispositif-là fera l'objet d'un contrôle pour vérifier l'utilisation effective du covoiturage et l'employeur s'y emploiera, si on peut dire, et pourra demander d'ailleurs aux agents les justificatifs qui sont nécessaires. Est-ce qu'il y a des questions ou des demandes de prise de parole sur ce sujet? Oui. Une question. Quel niveau de contrôle la ville va-t-elle faire sur les questions d'assurance? Que ce soit au cours du covoiturage ou sur l'utilisation de véhicules électriques comme trottinettes et vélos. Il y aura des contrôles. Alors, je ne vais pas donner exactement les éléments maintenant, mais il y aura des contrôles. Il y aura même des contrôles, par exemple, pour ceux qui viendront en vélo, afin de s'assurer qu'ils utilisent bien le vélo sur les 100 jours, parce que sinon, évidemment, n'importe qui peut déclarer qu'il vient en vélo et ensuite ne pas venir en vélo. Je pense que ça serait judicieux de l'inscrire à la délibération. Vous le rajoutez si vous voulez en direct, mais pour le coup, nous, on l'avait précisé en CT et en commission technique, et la chose est évidente, c'est quelque chose qui est pratiqué dans le privé aussi et qui est nécessaire. Et si je ne dis pas de bêtises, M. Bach l'avait d'ailleurs réagi sur ce sujet en précisant qu'en effet, dans son entreprise, malheureusement, entre ceux qui déclarent et ceux qui le font vraiment, il y a beaucoup moins de monde, on s'y attend. Mais de notre côté, nous allons mettre en place quand même des infrastructures pour favoriser ces mobilités autour de la mairie et autour des bâtiments communaux. Non, mais c'est très bien. Mais sur la question d'assurance, il ne faut pas négliger cette... Et bien sûr. Je voudrais que ce soit mis sur la délibération avant que nous la mettions au vote.
Oui, il n'y a pas de souci. D'autant plus, comme le dit Mme Huard, c'est que s'il y a un accident, c'est un accident de trajet, donc c'est considéré comme un accident de travail. Si le salarié n'est pas assuré sur sa trottinette électrique, c'est double peine pour lui. Je vous le répète, on l'intègre à la délibération. Les assistantes sont en train de rajouter. C'est intégré. Et je vous propose de passer au vote. Qui est-ce qui s'abstient ? S'oppose ? J'en déduis que c'est adopté. Et on va passer à une séquence qui est un petit peu moins drôle, avec un certain nombre de délibérations. Ce que je propose, Paul, c'est que tu les présentes peut-être toutes ensemble, de la 13 à la 17, et que nous les votions ensuite. Nous sommes obligés de les voter une par une, même si elles sont très techniques. Comme ça, nous aurons en une fois les explications. Alors, il s'agit d'un ensemble de délibérations concernant nos rapports avec le centre interdépartemental de gestion qui assure certaines prestations pour le compte de la commune. Donc, la première délibération est relative au renouvellement de la convention d'adhésion au service médecine préventive. Bon, c'est quelque chose qu'on est obligé de voter à chaque fois. Qui est-ce qui s'abstient ? S'oppose ? J'en déduis que c'est adopté. La deuxième vise à la prolongation de la convention commission de réforme comité médical et convention relative au fonctionnement du conseil médical du CIG de la Grande Couronne. Pareil. Qui est-ce qui s'abstient ? S'oppose ? J'en déduis que c'est adopté. La quinzième est relative au renouvellement du protocole d'intervention d'un psychologue du travail du CIG de la Grande Couronne, ce qui me permet de prendre l'occasion de préciser que nous avons un psychologue du CIG qui intervient en mairie et qui est à disposition des agents. Il n'y a pas de demande de prise de parole. Et des élus. Et des élus, absolument. Certains vont en avoir besoin, d'ailleurs. Je précise, on me souffle que non, pas des élus, en l'occurrence, celui-ci. Pardon. Ah, si. Ça avait été évoqué en CT ? Apparemment, non. Ah, monsieur Tréhaut. Pas des élus ? Je me souviens, Sophie avait sauté sur l'occasion. Non, c'est les élus peuvent faire appel aux psychologues pour des agents. Si on peut flécher ou accompagner des agents, mais ce n'est pas pour nous, non. Là, vous parlez d'une réunion où vous assistez au dépouillement des offres d'assurance. On y reviendra après. Bien joué François. Comme Allez. Quoi, il a beau partir en retraite, mais ça fonctionne encore. Bien sûr. Sur le renouvellement du protocole d'intervention d'un psychologue, qui est-ce qui s'abstient ? S'oppose, j'en déduis que c'est adopté. Sur le renouvellement du protocole d'intervention d'un assistant prévention du CIG de la Grande Couronne, exactement pareil. Qui est-ce qui s'abstient ? S'oppose, j'en déduis que c'est adopté. Et sur la convention de recours au service remplacement et mission temporaire du CIG de la Grande Couronne, qui est-ce qui s'abstient ? S'oppose, c'est adopté. Je suis désolé, c'est un peu laborieux, mais c'est un passage obligé. Ça fait partie également des figures imposées chaque année. Ce que je vous propose, c'est de passer à des sujets qui sont peut-être un peu plus parlants, même si le suivant va être un petit peu technique, mais ensuite on rentrera sur des sujets peut-être un peu plus signifiants. On va commencer par la délibération relative à l'attribution du marché de prestation des services d'assurance pour la ville, puisque Georges-Édouard Bach nous avait fait la transition à l'instant sur le sujet. Merci. Paul, je te laisse présenter. Oui, on a eu une commission des appels d'offres qui s'est prononcée sur le renouvellement du marché des assurances pour la ville. Donc, c'est un marché qui va courir de 22 à 27. Il y avait différents lots. Je vais aller vite. Premier lot, dommages aux biens et risques annexes. Deuxième lot, flotte automobile et risques annexes. Troisième lot, responsabilité civile et risques annexes. Quatrième lot, protection juridique de la ville, des agents et des élus. Et lot 5, assurance risque statutaire des agents territoriaux. Donc le lot 1 a été, c'est-à-dire dommages aux biens et risques annexes, a été déclaré infructueux et il n'a fait l'objet d'aucune réponse de candidat. Mais on va essayer de redéposer un marché, enfin de représenter un marché pour essayer de trouver quand même sur ce risque-là une société qui puisse nous répondre. Sur le lot 2, donc concernant la flotte automobile, on a souscrit un montant de prime annuel de 224 356 euros pour assurer ce risque. Attendez. Oui, c'est ça. Et une option de 308 euros TTC pour les,
les agents qui utilisent leur véhicule pour des déplacements professionnels. Concernant le lot 3, l'assurance responsabilité civile et risques annexes, on a retenu une société. Alors, je ne vous donne pas le nom des sociétés. Enfin, je ne sais pas si c'est intéressant de vous donner le nom des sociétés. Ça a été vu en commission d'appel d'offres. Bon, de toute façon, vous l'avez. Le montant de cette couverture de risque est de 3 639,02 € TTC par an. Pour le lot 4, concernant la protection juridique de la ville et des agents et des élus, c'est un montant de prime annuelle de 617 €. Enfin, pour le lot 5, et là, c'est... la prise en charge des risques de maladie, notamment. Et on a ce qu'on appelle les risques statutaires. On a un montant de 203 603 € par an qui a été retenu, ce qui représente globalement au niveau de l'ensemble des risques une diminution de prime de 100 000 € par an. Donc c'est une bonne nouvelle pour la commune. Voilà. Merci Paul. Je propose d'ouvrir aux questions s'il y en a, même si c'est un sujet technique. Bon, pas de questions. Je propose de passer au vote. Qui est-ce qui s'abstient ? S'oppose ? Merci. J'en déduis que c'est adopté. Et je vous propose de passer, parce que Paul a beaucoup parlé ce soir, on va passer la parole maintenant à Catherine sur l'application des nouveaux tarifs des droits de place du marché d'approvisionnement à partir du 1er novembre 2022. Je te laisse la main, Catherine. Donc la délibération de ce soir consiste à valider l'augmentation des tarifs des droits de place pour les commerçants du marché. Alors l'augmentation, le chiffre d'augmentation, il est de 8,93%. Après, il faut peut-être que je vous donne les éléments de contexte, parce que 8,93, ça peut paraître beaucoup. Alors 8,93, ça se base sur quoi ? Ça se base sur l'évolution d'un indice des salaires des ouvriers, donc des secteurs non agricoles. Donc c'est un indice, c'est contractuel avec le gestionnaire de marché. Le tarif des droits de place, en fait, tel qu'il est appliqué aujourd'hui, c'est le même depuis le 1er janvier 2018. Donc depuis près de 5 ans, il n'y a pas eu d'augmentation. Il y avait une augmentation qui avait été votée en conseil municipal en 2019, mais qui en fait n'a jamais été appliquée. Et donc voilà, c'est donc ce qui était validé, ce qui a été négocié. Déjà, c'est de ne pas avoir du tout de rétroactivité. De se baser sur l'indice qui était connu en juin 2022, donc d'arrêter vraiment la situation, alors qu'on sait bien que l'inflation augmente beaucoup cette année, et notamment beaucoup depuis juin. Donc de figer cette situation, ça a été donc présenté aux commerçants du marché en commission le mois dernier. Donc il y a eu pas mal d'échanges, de négociations donc pour arriver à finalement cette proposition qui est vraiment, je dirais, gagnant-gagnant entre le gestionnaire Géraud et les commerçants du marché. Voilà, les décisions qui ont été prises en complément et sur lesquelles les commerçants sont très heureux, c'est de demander aux commerçants et des commerçants qui sont abonnés au marché, c'est-à-dire qui viennent tout le temps, ils payent tous les mois un abonnement. Et il y a aussi des commerçants qui viennent et ils payent à chaque fois, ils peuvent venir une fois par semaine, une fois par mois, un peu quand ils veulent. Donc c'est déjà de demander aux commerçants alimentaires, je dirais, qui ne sont pas abonnés, de s'abonner par équité. C'est une première demande. Et par ailleurs, concernant les frais d'électricité, puisque sur la consommation électrique des marchands, en fonction des marchands, il y a plus ou moins de matériel électrique, électronique. Le compteur en fait, qui est sur le marché, il est attribué à Géraud, donc le gestionnaire du marché, qui après Géraud refacture les commerçants. Donc il y a une règle qui était définie avec eux, qui se base pas sur la superficie de l'emplacement, mais plutôt sur leur consommation en termes d'équipement, en fonction de ce qu'ils utilisent
Certains n'utilisent absolument pas d'électricité, d'autres très peu, d'autres beaucoup. Par exemple, les traiteurs, ils ont beaucoup d'électricité. Donc voilà, c'est plutôt basé sur une consommation et ça sera vu avec eux. De même, l'électricité, donc, il n'y avait pas eu de refacturation ces trois dernières années. Donc de même, pas de rétroactivité qui a été négociée avec Géraud, ce qui fait finalement une ardoise de 15 000 euros donc, qui est prise en charge par le gestionnaire. Voilà, et dans la dernière décision, c'est de demander aussi aux casuels, donc ceux qui ne sont pas abonnés, de payer aussi les frais électriques, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc, se basant sur l'ensemble de ces décisions, donc voilà, la commission était sur une situation vraiment gagnant-gagnant, je dirais. Voilà. Donc voilà la délibération qui consiste à voter cette augmentation de tarifs des droits de place du marché. Merci beaucoup, Catherine. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui. Oui, plusieurs questions. La première, on est bien d'accord, hein, c'est pour la bonne compréhension de tout le monde. La délibération de 2019 qui proposait d'appliquer une augmentation n'a pas été mise en place par le prestataire Géraud. On est bien d'accord. Tout à fait. OK. Vous dites dans la délibération que, conformément à l'article L2224-18 du CGCT, cette grille tarifaire a été notifiée à la Fédération nationale des marchés de France en date du 25-08-2022, et vous écrivez plus tard que, vu l'avis de la Fédération, quel est cet avis ? L'avis de la Fédération est défavorable. OK. Donc, en fait, on est en train de passer une délibération qui va augmenter de 9%, j'arrondis au supérieur, les droits pour les utilisateurs du marché, sur lequel il faut ajouter la facturation de l'électricité. On est bien d'accord ? Et ils sont d'accord, d'ailleurs. Non, vous ne pouvez pas dire qu'ils sont d'accord également. Non, ils sont d'accord, c'est les deux représentants des utilisateurs du marché qui sont d'accord. Ce sont les élus du marché. Les deux représentants des élus. Oui, deux représentants. Mmh, tout à fait. Je pense que vous faites comme moi les courses. Les commerçants. Vous faites comme moi vos courses le dimanche matin. Enfin, vous ne passez pas juste dire bonjour, vous faites vos courses le dimanche matin. Quand vous interrogez tous les commerçants, nombreux ne sont pas d'accord. Et oui, nombreux ont déjà dit qu'ils répercuteraient cette augmentation sur les utilisateurs finaux, c'est-à-dire les Vernoliens. Vous comprendrez bien que c'est comme un conseil municipal. Nous sommes élus et dans la population, il y aura toujours des gens pour ne pas être d'accord avec nous. Ils sont élus, ils représentent les autres commerçants. Oui, mais je tenais à faire la précision. Ce n'est pas tous les commerçants, c'est les deux représentants des commerçants. Non, mais par contre, la majorité, et pour avoir échangé avec eux, je suis désolé, les risques étaient beaucoup plus importants que ceux qui sont aujourd'hui présentés. Il y avait des risques qui étaient forts, hein, vous le savez. Les prestataires qui sont en charge de la gestion de marché ne sont pas tous en bonne santé financière, surtout en ce moment. Entre guillemets, les négociations qui ont été menées brillamment par Catherine nous permettent en plus de proposer différentes choses qui n'existaient plus sur notre marché et qui seront bienvenues, je pense, pour les habitants comme pour les commerçants. Et je pense en particulier à la remise en place de nombreuses animations qui seront lancées par Géraud, qui est donc prestataire. C'est vrai que c'était l'association des commerçants de Verneuil qui faisait les animations du marché. Eh ben non. Jusqu'à présent. Eh ben non. Je vais rebondir sur ce que vous disiez. Je vais rebondir juste sur ce que vous. Non, non, je veux juste. C'est facile parce que vous jetez une bêtise et puis après vous voulez couper. Je vous ai pas coupé la parole. Mais non, parce que vous jetez une bêtise et puis après. Non, c'était pas l'association du marché puisque par définition, elle n'avait pas la possibilité d'intervenir sur un domaine qui était privé. Géraud est une entreprise privée. Allez, je vous en prie. On est sur le domaine public, donc... Ah non, non, non. Et non, puisque vous avez devant vous une entreprise qui est privée et qui privatise un espace public pour pouvoir faire les marchés. Géraud est une entreprise privée. Alors, c'est une je vais rebondir sur deux de vos vos réponses. Donc, on parle bien d'une entreprise privée. On est nombreux à travailler dans le secteur privé autour de la table. Et vous dites que c'est les prestataires de marché, depuis des années, ne vont pas bien. Du coup, je m'étonne. Pourquoi depuis 3 ans, Géraud ne facturait pas l'électricité aux commerçants et accepte de prendre ses 15 000 euros de perte à sa charge, sachant qu'il est en perte sur le marché de Verneuil, pas sur tous les marchés yvelinois. Et ensuite, et pour l'avoir discuté en commission, il est en perte financière sur le marché de Verneuil depuis des années. Néanmoins, la rétribution que fait Géraud à la communauté, enfin à la collectivité, pardon, est toujours de 33 000 euros. Moi, j'aimerais bien savoir comment ça fonctionne, mais on a quand même beaucoup de moins. Nous, on récupère toujours 33 000 euros à la fin de l'année.
on est encore en train de rajouter des dépenses complémentaires aux utilisateurs du marché, et je dis bien auvergnoliens. Alors, si je puis me permettre, non, puisqu'en fait... Arrêtez avec « si je puis me permettre ». Bah oui, je vais me permettre alors. Non, je ne sais pas pourquoi vous voulez à chaque fois imaginer des répercussions. Tout à l'heure, c'était sur la cantine, maintenant, c'est sur le marché. Je vous engage, par contre, à aller voir ce qui se passe sur les autres marchés autour, y compris les marchés de Géraud. On a eu l'occasion, d'ailleurs, d'aller directement sur place à Rungis, échanger avec d'autres commerçants, d'autres prestataires. Je peux vous dire qu'on ne s'en tire pas si mal. Y a-t-il d'autres questions ? Oui. Alors, profitez-en, une fois n'est pas coutume. Merci, Madame Charuel, pour les commissions que vous organisez, qui ont lieu bien à l'avance. Et vous vous démenez pour qu'à 14h30, horaire pas facile pour les travailleurs, nous puissions quand même y participer autant que nous pouvons. C'est effectivement pour retranscrire les échanges, et j'ai essayé de participer à toutes ces commissions. Cette augmentation devait avoir lieu, et j'ai quand même entendu Madame Charuel dire qu'elle était contre, mais que malheureusement il fallait en passer par là. Je pense qu'il va falloir être intransigeant, Madame Charuel, sur les animations auxquelles Géraud s'est engagé, parce que ça fait un moment qu'on va en commission et qu'il s'engage sur des animations, et je trouve que pour l'instant, malgré tout, nous n'en avons pas vu beaucoup la couleur. Il me semblait qu'on avait parlé de la fête des mères, j'ai plus tout en tête. Et si on veut qu'il n'y ait pas trop de répercussions financières sur les Vernoliens, il faut certainement qu'il y ait plus de Vernoliens qui viennent au marché, et peut-être qu'avec les animations, ça le permettra, et que les répercussions seront peut-être moins importantes du fait de plus de clients. En tout cas, merci Madame Charuel. Merci beaucoup. Je vous propose de passer au vote. Qui est-ce qui s'abstient ? Qui est-ce qui s'oppose ? J'en déduis que c'est adopté. Je vous propose de passer à la délibération suivante, qui est relative à la demande de subvention auprès du dispositif régional d'aide aux équipements sportifs et de proximité pour le City-Stade, qui sera situé rue Jean Zay, respectivement, juste derrière moi, derrière le mur. Voilà, donc je vais vous lire la délibération rapidement pour l'introduction. Donc, dans le cadre de son dispositif d'aide aux équipements sportifs de proximité, la région Île-de-France soutient les communes dans le financement de leurs projets visant à réduire les carences en équipements sportifs, faciliter l'accès au public féminin et des personnes en situation de handicap à la pratique du sport et lutter contre la fracture territoriale. Il est donc proposé au Conseil municipal de solliciter cette subvention pour la création d'un city-stade rue Jean Zay à proximité du stade Régis. Le projet consiste à créer un équipement de type city-stade sur l'espace boisé situé en bordure de la rue Jean Zay, tout en préservant la qualité environnementale de l'endroit par un aménagement paysager, agrémenté de petits mobiliers urbains et ouverts à tout type de public. Le montant de ces travaux est évalué à 225 000 euros hors taxes. La région peut subventionner ce projet à hauteur de 50% du montant hors taxes, plafonné à 200 000 euros hors taxes, soit à hauteur de 100 000 euros. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver la réalisation du projet et d'autoriser M. le maire à déposer le dossier de demande de subvention auprès de la région. Par ailleurs, compte tenu des carences constatées sur le territoire communal en termes d'équipement sportif de proximité, un démarrage anticipé des travaux sera sollicité au 1er novembre 2022. Est-ce qu'il y a des questions ? J'en déduis qu'on peut passer au vote. Qui est-ce qui s'abstient ? Non, moi j'ai une question. Pardon. Oui, je vous en prie. Je découvre... J'ai pas tout lu, hein, je suis désolé. Quand vous dites que la région peut subventionner ce projet à hauteur de 50%, plafonné à 200 000 euros, c'est 50% qui sont plafonnés à 200 000 euros ou c'est 50% d'un budget global de 200 000 euros ? En fait, nous, le projet va coûter 225 000, mais la région ne peut apporter la subvention que sur 200 000. Donc 100 000. Donc 50% de 200 000 euros. Tout à fait. Bon, ok. C'est juste la formulation. Merci. Qui est-ce qui... Pardon, lorsque vous dites le montant des travaux est évalué à 225 000 euros, quand est-ce qu'on aura le montant global définitif ? Monsieur le premier adjoint, je pense qu'il est déjà pas mal proche de la réalité, puisqu'on a déjà eu les devis et pas mal de choses. Mais vous l'avez eu, en fait, vous l'aviez dans le budget. Il était déjà à 225. Après, c'est toujours la même chose, c'est qu'il peut y avoir des problèmes techniques, etc. Donc c'est pour ça qu'on dit évaluer. Mais c'est en tout cas le budget qui était budgété. Voilà, c'est les devis qui nous sont parvenus, c'est les estimations qui ont été faites. Après, je crois que le budget était plutôt de 300 000 à l'époque. Oui, il était rabaissé. Et donc voilà. Il était bien raboté. Il n'y a pas un problème lié au fait qu'on est dans une zone particulièrement humide ? Ils l'ont pris en justement, compte. C'est parce qu'il coûte cher, aussi cher, pas justement parce qu'on rehausse en fait la zone.
Et c'est tout ce qui est terrassement qui coûte le plus cher dans ce projet. Ok. Bon, j'irai jouer au foot. Juste comme précisé en début de conseil, il s'agit bien de la délibération 20 et pas la délibération 19. Ça serait bien de la corriger avant de l'envoyer en préfecture. Oui. Je profite, Madame Gontier. En commission, on avait une délibération sur les travaux du parc Gottlieb. Elle a été retirée à l'ordre du jour. Je voudrais savoir pourquoi. Alors, j'ai demandé aussi. En fait, il s'agit tout simplement parce qu'elle n'est pas obligatoire de passer en conseil municipal. Allez, sur cette délibération numéro 2. Attendez, je veux juste comprendre. On nous fait travailler en commission sur une délibération qui doit être présentée en conseil municipal pour la retirer du conseil municipal. C'est un peu ubuesque comme situation. Non, pas du tout. Je crois même que vous l'avez à la fin. Bon, on y reviendra tout à l'heure. Dans les décisions. Et si ce n'est pas sur ce conseil, ce sera sur le suivant. De toute façon, elle apparaîtra puisqu'elle sera en effet à l'ordre du jour d'un conseil municipal. Mais pour la demande de subvention, qui est-ce qui s'abstient, s'oppose ? J'en déduis que c'est adopté. Et sur le sujet culture, l'adoption du nouveau règlement de l'école municipale de musique et de danse, je laisse la parole à Olivier Lugic. Bonsoir. Donc, je vais vous présenter cette délibération sur la modification du règlement intérieur de l'école de musique. C'est une modification assez simple à comprendre. Nous avions un règlement qui méritait des petits ajustements parce qu'on a réformé les parcours pédagogiques, notamment de l'école de musique. Et on a profité pour faire un petit peu de nettoyage sur l'ancien règlement. Ce sont des modifications mineures de fonctionnement interne, de rapport entre les élèves, les professeurs, l'administration. Et c'est un règlement que l'on demande tout simplement aux élèves de respecter lors de leur inscription à l'école de musique. Est-ce qu'il y a des questions ou des demandes de prise de parole sur le sujet de l'école de musique ? Oui. Alors, je ne suis pas musicien, mais je connais un certain nombre de musiciennes dans Verneuil. Donc, j'ai essayé de me faire le porte-voix de ces musiciennes. Mais ça avait déjà été évoqué rapidement au mois de juin, lorsqu'on avait revu ces tarifs. D'ailleurs, ça avait fait couler beaucoup d'encre. On peut même remercier l'absence de Philippe Plusseau à l'époque, puisque je pense qu'il se serait approprié le sujet de manière un peu plus violente. Moi, il y a juste un truc qui me dérange, une fois de plus. Je vais reformuler. Les personnes qui m'ont demandé d'intervenir sont très dérangées par une chose dans ce règlement intérieur, puisqu'on nous demande d'approuver le règlement intérieur. C'est au niveau des activités, article 2, il y a marqué à cet effet, les élèves, on ne fait pas de distinguo entre les élèves adultes, les jeunes, les étudiants ou les plus jeunes. Hein. À cet élève, les élèves sont tenus de participer à toutes les manifestations organisées par l'école. Bon, c'est limite. Pour moi, ça tient du bolchevisme, hein, je vous le dis franchement. Donc, la question, c'est, il n'y a pas de contrepartie derrière. C'est-à-dire que, bon, alors, j'ai fait un peu de benchmark. Hein, il y a certaines écoles de musique qui disent, attention, si vous ne participez pas, le conseil d'administration peut vous envoyer un avertissement, etc. Et puis, il y a d'autres écoles de musique où cette clause n'apparaît absolument pas. Mais moi, pour le coup, vous savez, il y a la musique, le rapport à la musique des gens, enfin, aux pratiquants. Il y en a qui font de la musique pour aller faire des représentations dans des églises, et il y en a d'autres qui ont un rapport à la musique qui est très intime. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas jouer en public. D'accord ? Donc moi, il y a juste cette phrase qui, une fois de plus, moi je m'en fous, je ne suis pas musicien, elle dérange un certain nombre de personnes qui m'ont demandé d'aborder le sujet, de dire est-ce que c'est irrémédiable ? On sait qu'effectivement, le nouveau directeur de l'école de musique a voulu bouleverser un certain nombre de choses, on en a parlé, notamment au niveau des tarifs et du rajout d'un certain nombre de tranches au niveau du quotient familial. J'en avais fait l'écho. Hein. Mais cette phrase, en fait, elle est quand même assez dérangeante. Je ne sais pas si les autres trouvent ça normal ou anormal. Moi, personnellement, je trouve ça particulièrement normal. Olivier ? Oui, la formulation, c'est effectivement celle-ci. Dans l'arrêté des faits, c'est sont tenus de participer aux activités pour lesquelles ils s'engagent. C'est-à-dire que si vous vous inscrivez pour participer à la chorale ou si vous vous inscrivez pour participer à l'orchestre, bien, vous vous engagez effectivement à participer aux activités des manifestations de cet orchestre. C'est en fait, c'est vous engager à respecter votre engagement. Non, en fait, si non. Je peux me permettre, pour répondre très franchement, on pourra retoucher s'il le faut cette phrase. Elle est peut-être un tout petit peu maladroite, mais dans l'esprit, je pense qu'on l'a tous compris. Il n'y a pas de souci, c'est un faux sujet. Mais on merci, est d'accord. Merci. Mais par contre, je vais profiter de l'occasion. Retoucher le truc. Par contre, il en va de la stabilité de mon foyer. Hein, d'accord. Donc, oui, il n'y a pas de souci. Mais par contre, je pense que ça peut être l'occasion de faire un petit point sur les tarifs, parce que je ne suis pas trop d'accord à ce que vous disiez.
J'allais rebondir sur le dernier conseil où Philippe Lesseau et moi-même n'étions pas là. J'ai entendu dans le replay beaucoup d'erreurs, en fait. Donc, je vais les corriger. Il a été dit par l'opposition, je ne citerai personne, les personnes se reconnaîtront, que tout ceci n'avait pas été discuté au préalable. Donc, je vais commencer par corriger. Il y a eu un conseil d'administration de l'école de musique où étaient présents M. Lussault, M. François Dainville, M. Lemoine, notamment. Peut-être que j'en oublie. Ils ont eu les informations, ils les ont même approuvées. Ça a été aussi évoqué en commission culture. Et ça a été aussi approuvé par les personnes de l'opposition présentes. Donc dire que ça n'a jamais été évoqué, jamais débattu, jamais discuté, c'était juste totalement faux. Cela avait été fait deux fois préalablement au conseil et approuvé à l'unanimité les deux fois. Deuxième chose, il avait été dit lors de ce conseil qu'on était très inquiet pour l'avenir de l'école de musique, que beaucoup d'élèves allaient s'enfuir vu la hausse catastrophique des tarifs de l'école de musique. Je suis très heureux de pouvoir rassurer tout le monde. Non seulement très peu de personnes sont parties, c'est-à-dire le flot habituel des personnes qui partent pour des déménagements, des élèves de terminale qui vont faire leurs études ailleurs, des personnes qui arrêtent pour des raisons de santé ou autres. Très peu de départs. Par contre, on a à peu près une centaine d'élèves en plus, malgré la hausse des tarifs, et que nous restons très compétitifs sur le territoire, malgré cette augmentation, nous restons pratiquement les moins chers. Enfin, un dernier point important, c'est que nous avions réussi à pourvoir tous les cours les années précédentes. Cette année, il y a eu tellement d'affluence de nouveaux élèves que nous n'avons pas été en mesure, pour pratiquement la première fois, de donner des cours à tout le monde. C'est-à-dire que nous avons même augmenté les cours de certains professeurs. Nous avons même recruté un nouveau professeur de piano pour essayer de réduire la liste d'attente sur cet instrument. Donc, globalement, nous avons une centaine d'élèves en plus. Donc, j'espère que tout le monde est très rassuré que cette réforme n'a pas provoqué un exode. Merci. Je vous en prie. Donc, quelques compléments. La seule chose qui a été discutée en commission et en CA, c'est le règlement intérieur et l'évolution du parcours pédagogique. Les tarifs n'ont jamais été abordés dans ces lieux. Jamais. Les tarifs sont arrivés avec un mail d'inscription. Donc, et une délibération. Donc ça n'a jamais été discuté. Concernant les tarifs, moi ce qui m'a choqué, et je l'ai dit à Olivier, on en a discuté en tête à tête, c'est pas l'augmentation en tant que telle. Parce que l'augmentation, quand Olivier l'explique, on peut la comprendre. Moi ce qui m'a choqué, c'est que ça n'était pas partagé avec l'opposition, et pire, partagé avec personne qui s'inscrira à l'école de musique. C'est-à-dire que les gens ont reçu ces tarifs, plein ne l'ont pas lu. C'est pour ça que je pensais que les gens l'auraient lu et il y aurait eu moins d'inscriptions. Ce n'est pas le cas. J'attends de voir les premières factures. Parce que j'ai discuté avec pas mal de gens en école de musique et il s'avère qu'il y a plein de gens qui se sont inscrits sans regarder l'évolution des tarifs. Donc je pense qu'il va y avoir quelques surprises. Au même titre que le règlement intérieur qui n'était pas présent quand on s'est inscrit en juillet, je vous l'avais fait remarquer. Donc du coup, vous avez complété. A priori, j'ai été le seul à remarquer qu'on s'inscrivait, on cochait une case qui disait qu'on acceptait le règlement intérieur. J'étais le seul à avoir demandé le règlement intérieur pour le lire, pour pouvoir cocher la case. Donc je pense que sur les tarifs, il ne faut pas... Alors c'est très bien qu'il y ait beaucoup d'élèves, moi je trouve ça super. Ça redynamise l'école, il y a des nouvelles activités, c'est vraiment... pour le coup, ça c'est positif. Le côté moins positif, c'est que je pense que tout le monde n'a pas vu les tarifs, et donc j'attends de voir le contre-coup. Et puis on peut aussi dire quand même que globalement, la durée des cours a baissé. Voilà. Mais ça, c'est conforme à ce qui se fait à peu près partout. Allez, s'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vous propose de passer au vote du règlement intérieur de l'école de musique. Qui est-ce qui s'abstient ? Excusez-moi. Oui. Nous, on va voter contre, justement, à cause de cette fameuse phrase. Oui, mais par contre, nous, on l'intègre elle sera modifiée dans le règlement intérieur. Mais compris. Et excusez-moi, monsieur le maire, sans relancer la polémique, il y a quand même un discours totalement antagoniste entre les paroles de monsieur Lugic et les paroles de monsieur Lussault. On parle de transparence depuis le début du Conseil. J'aimerais bien savoir si, effectivement, oui ou non, ces tarifs ont été étudiés en commission. Il avait été annoncé que la hausse serait située entre 5 et 8% pour tous les élèves globalement, c'est-à-dire comme il y avait une refonte à la fois des cursus pédagogiques, mais également des tranches de quotients familiaux qui passaient de 5 à 7, et plus sur les mêmes bases, c'est-à-dire plus sur les mêmes limites, on était totalement impossible de chiffrer à l'avance qui serait concerné tant qu'on n'avait pas les feuilles d'imposition des personnes, des foyers concernés. On avait dit que ce serait une hausse globale des tarifs de 5 à 8% sur l'ensemble de la masse des élèves. Olivier, et ça avait été annoncé. Olivier, oui, ça a été dit.
la grille de tarifs, on ne l'a jamais vue. La modification des quotients familiaux, on ne les a jamais vus. Et donc les tarifs qui allaient s'appliquer, on ne les a jamais vus, à part lors de l'inscription. Donc oui, on a eu l'information comme quoi ça allait augmenter et qu'il y allait avoir 7 tranches au lieu de 5, ok. Mais sur le tarif en lui-même qui allait être payé par les Vernoliens, nous n'avons jamais eu l'information. Point. Ça, c'est factuel. De 5 à 8 % Non. Alors moi, je paye 40 % de plus. Donc si tu veux, le 5 à 8, le pourcentage, ça ne veut rien dire. Les moyennes ne veulent rien dire. 50 % chez nous. Bon, en tout cas, moi, je me réjouis que l'école de musique ait une aussi longue file d'attente cette année. Et on restera vigilant sur la suite. Pour ce qui est du passage au vote, qui est-ce qui s'oppose ? S'abstient ? J'en déduis que c'est adopté et je vous propose adopté de passer... pour nous sous réserve. Hein, oui, on le modifie, c'est notre. Merci. Je vous propose de passer la parole à Carole Godard sur deux délibérations relatives à la petite enfance. Oui, je vous propose de revaloriser le montant du plafond de ressources pour le calcul des participations familiales et en établissement d'accueil du jeune enfant. En effet, depuis 2002, régulièrement, le barème national des participations familiales est établi par la CAF. Et à ce jour, il est arrivé au montant de 6 000 euros par mois. Et si la ville ne peut pas appliquer le plafond inférieur en accord avec la CAF, elle peut de toute façon décider de poursuivre l'application du taux d'effort au-delà de ce plafond. Donc actuellement, nous avons décidé de passer notre plafond à 6 500 euros par mois à partir de janvier 2023. On a vu en fait que le plafond de 6 000 euros a été atteint en 2019 et donc nous avons attendu et cette année nous allons passer à 6 500 euros. Voilà, je vous propose, vu les différents textes, de fixer le montant du plafond pour le calcul de la participation familiale des établissements d'accueil du jeune enfant à 6 500 euros de ressources mensuelles. Un deuxième point aussi ce soir, c'est de vous proposer d'appliquer cette modification pour les tarifs horaires petite enfance à partir du 1er janvier 2023. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ou des demandes de prise de parole ? Je vous propose donc de mettre au vote la délibération 22 sur la revalorisation du montant plafond de ressources pour le calcul des participations familiales en établissement d'accueil du jeune enfant. Qui est-ce qui s'oppose ? S'abstient ? J'en déduis que c'est adopté. Et de passer à la dernière délibération de la soirée, la convention d'objectifs et de financement du relais Petite Enfance 2022-2024 avec l'avenant prestation de service relais Petite Enfance, RPE, mission renforcée. Voilà, tout à fait. Cette convention, elle concerne un objectif de financement qui sera aussi versé par la CAF à notre relais Petite Enfance. Le relais Petite Enfance a des missions renforcées. Et notamment, la municipalité a le choix pour toucher cet argent. Le financement, il est complémentaire, il est créé si on remplit et si on s'engage dans trois missions différentes, renforcées. Donc on peut s'engager sur le guichet unique et le traitement des demandes formulées. On peut s'engager sur l'analyse de la pratique ou sur la promotion renforcée de l'accueil individuel par la mise en œuvre d'une stratégie de communication. Et de ce fait, le relais Petite Enfance de la ville s'engage sur la mission numéro 3, c'est-à-dire la promotion renforcée de l'accueil individuel par la mise en œuvre d'une stratégie de communication. Considérant ces objectifs, je vous propose d'autoriser le maire à souscrire avec la CAFI un avenant qui concerne la convention d'objectifs et le financement de la prestation de services relais Petite Enfance pour les missions renforcées pour une durée de 2 ans, c'est-à-dire que cela s'établit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024. Merci beaucoup Carole. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je vous propose de passer au vote. Qui est-ce qui s'abstient ? S'oppose ? J'en déduis que c'est adopté. Alors ce soir, je vais vous faire grâce. Je ne vais pas vous faire la lecture intégrale des 3 pages de compte-rendu des décisions. Mais cela dit, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Et je vois des micros qui s'agitent, donc je vous en prie. Oui, 3 demandes de précision. La première concernant la 2022-84 sur la convention de mise à disposition gratuite d'un local municipal à l'association Autrement Cap. Nous n'avons pas retrouvé de traces de cette association. On vous a demandé si vous aviez les statuts et on voulait savoir ce que c'était que cette mise à disposition et dans quel but.
C'est une délibération, une décision relative au CCAS sur l'accompagnement. C'est une association sur le handicap. Je n'ai pas tous les détails, mais le CCAS pourra, lors du prochain conseil d'administration, donner les précisions. D'accord, merci. Sur la... J'ai une intervention sur la même, sur, si tu veux bien que je complète. Oui, vas-y. Ouais, non. Du coup, dans ce qui a été signé entre l'association et la ville, vous autorisez cette association à tenir des permanences. Nos locaux d'élus sont au même endroit et nous n'avons pas autorisation à tenir des permanences dedans. Donc je me dis que finalement, peut-être maintenant, on pourra tenir des permanences dans ce local puisque des associations peuvent le faire. Ça mais nous en donne l'autorisation, je suppose. Je me permets de faire encore mieux. Et je voulais l'annoncer ce soir, mais vous me tendez la perche et je vous en remercie. Je voulais en profiter ce soir de vous annoncer qu'en fait, les locaux neufs pour l'opposition vont pouvoir vous être mis à disposition. C'est pas grave. Je voudrais juste tenir des permanences dans les locaux déjà que nous avons et ça sera bien dans les suivants aussi. On va vérifier, mais je pense qu'il n'y a pas de problème dans les locaux. Il faut qu'on regarde l'accès au public. Mais en tout cas, vous aurez les clés très c'est bientôt. C'est écrit dans la convention que vous avez signée avec cette association, donc je pense que pour nous, ça sera autorisé du coup. Oui, non, et ça sera donc un nouveau lieu accessible, puisque c'était aussi une demande, qui sera à côté de l'épicerie solidaire. Mais l'administration reviendra vers vous sur ce sujet. Juste, si je puis me permettre, les locaux attribués aux élus, notamment élus minoritaires, c'est encadré par la loi et c'est juste de l'administratif. Je suis désolé, c'est juste la loi. En fait, il y a la loi et ce qu'on peut aussi autoriser si nous sommes dans un bâtiment autorisé à accueillir du public, comme on le voit. On peut aussi se dire que nous pouvons organiser des réunions dans ces locaux puisque finalement, nous n'avons pas de lieu de réunion à part administrativement. Et si vous parlez d'administratif, il faudra nous mettre un petit peu plus de moyens administratifs du coup dedans si vous souhaitez que ce soit que administratif. Bon, on pourra en reparler, Monsieur Frechter. Bon, allez, je vous laisserai voir avec les services sur toutes les conditions. Il n'y a pas de souci. Il y avait d'autres sujets que vous vouliez... Alors, la 2022-104, convention d'autorisation, je suis content que M. Debjet soit revenu à sa place, de pose d'équipement de vidéoprotection du CIVICOP. On peut savoir en quoi ça consiste, sachant qu'en commission urbanisme, nous n'avons pas eu l'information. Ni commission sécurité, d'ailleurs. Je ne répondrai pas à ces questions, vous devez les poser deux jours avant. Alors, c'est sur une décision du maire. La décision du maire doit être expliquée, Monsieur Debjet. Mais déjà, vous avez le document. Vous l'avez. Ah non, je ne l'ai pas au congrès. Je ne l'ai pas à l'heure du jour. Non. Vous ne l'avez même pas demandé. Moi, je vais poser du coup la question pour Monsieur Moreau et peut-être la compléter puisque le fichier est très lourd à télécharger. Mais est-ce que finalement, il me semble qu'il y a 70 points, est-ce que la ville autorise l'installation de caméras dans ces 60... Attendez, je reviens dessus, sur ces 74 secteurs précisément. Est-ce qu'il y aura bien l'installation de caméras sur ces 74 secteurs, alors, puisque c'est le document que vous avez annexé à la décision? Vous comprenez que s'il y a bien un endroit, et c'est un comble sans doute, de ne pas vouloir parler de caméras dans des caméras, mais s'il y a bien un endroit où je ne veux pas parler des implantations de caméras, du nombre de points, etc., c'est ici, par contre, aucun souci. Pour ça, faire vous n'avez pas gêné au commission. Conseil municipal du mois de septembre 2020 donc, de parler parce que pour des montrer, caméras. Pour montrer par contre, que les caméras ne fonctionnent pas, je n'ai pas de problème. Ça, c'est de la mauvaise foi, ça. Ah bah, pour le coup, c'est en tout cas... Donc, peut-être que vous pouvez nous répondre sur les X points d'implantation. Est-ce que c'est finalement un engagement de la ville à autoriser l'installation de ces X points d'implantation qui nous ont été annexés au document? Si on ne doit pas dire le nombre ni le lieu, j'entends bien. Oui, non, mais je vais vous répondre. De toute manière, ce n'est pas un secret. Oui, les travaux commencent. Point. Pour autant de caméras et autant de réseaux, est-ce que vous autorisez pour autant de pour points? Pour X caméras et pour X réseaux et pour X implantations, oui. X étant enfin, le chiffre XYZ, transmis mais... dans le document, le dernier secteur compris. Ça, je ne commande pas. Donc, en fait, vous autorisez pour combien finalement à la fin? Combien X. Autorisé? Oui, vous jouez désolé. Sur les mots, puisque s'il ne faut pas dire qu'il y a 74 secteurs, bah, est-ce que les 74 secteurs seront couverts? C'est le document qui nous a été transmis, du coup. Mais le nombre de secteurs ne correspond pas forcément au nombre de caméras, mais je ne commenterai pas ici, mais je peux vous en parler. Il y a plus de caméras que de secteurs, on a compris dans le document. Dès que les caméras autour de nous seront éteintes, je reviendrai tout à l'heure. Non, mais c'est important parce que les Vernoliens ont quand même eu une augmentation d'impôts l'année dernière oui, sur ce sujet. Et nous allons communiquer. Donc il faudrait pour savoir pour combien ils en ont la couleur. Et ça passe dans les décisions que vous autorisez. Et vous nous transmettez un document. Donc est-ce qu'il y a la garantie, avec les impôts déjà payés, que les 74 points qui correspondent à plus de caméras soient couverts?
il y aura des caméras dans la ville. J'avais dit, je fais que répéter ce que j'avais dit à l'époque, j'avais dit 3 fois plus qu'aujourd'hui, donc vous ferez les maths. Et pour ce qui est des implantations, pour ce qui est de l'organisation, je ne commande pas pour l'instant. De toute manière, c'est au CIVUCOP de communiquer le jour où. De notre côté, oui, par contre, nous autorisons le CIVUCOP sans aucun problème, et plutôt avec un grand plaisir de pouvoir lancer les travaux. Ils ont commencé, c'est une bonne nouvelle. D'ici la fin de l'année, nous aurons les premières caméras. Et ensuite, nous allons étaler, comme nous l'avons dit, sur les mois suivants. C'est simplement la parole tenue. Je rebondis, puisque vous étiez présent à la commission sécurité et que j'avais évoqué le souhait qu'on puisse avoir un point à la prochaine commission. Et on s'est engagé à le faire. Je vous ai répondu, M. Fréjabu, vous aurez tout un à point. Fait. Donc, vous voyez, la question a plus de 2 jours. Voilà. Non, voilà, j'avais posé la question. Vous ne m'avez pas dit, je souhaite avoir des réponses en conseil. Vous avez dit en commission. Et en commission, je suis engagé à vous répondre à la prochaine commission. Et je sais que vous tiendrez votre engagement. Je vous remercie. Et d'ailleurs, je voudrais une précision pour M. Moreau, qui a répété une fois de plus que nous avions dévoilé les emplacements des caméras. C'est une obligation légale, Monsieur Moreau. C'est une obligation légale, au moment de la mise en place des caméras, quand les caméras commencent à fonctionner, de donner les emplacements des caméras. C'est pour ça que je le ferai. C'est pour ça que le maire a dit pour l'instant, il ne le fera pas. Mais le moment où les caméras seront installées, nous serons obligés de communiquer. C'est pour ça. Je prends bonne note. Dernière question sur la 2022-118, l'accord cadre de fourniture de produits d'entretien. C'est différent du marché qui a été attribué sur les prestations de ménage. Oui. Donc on achète les produits d'entretien pour le prestataire de ménage. C'est ça que ça veut dire? Non, en fait, il s'agit de cas exceptionnels. C'est pour les agents communaux qui ont besoin dans les crèches, etc. Sur des petites choses. Faudrait préciser que c'est hors marché ménage pour que ce soit bien clair. Sans souci. Madame Gontier, du coup, je rebondis. Est-ce que dans ce marché, vous avez vérifié, surtout si c'est pour les crèches, que les produits choisis ne contiennent pas de perturbateurs endocriniens pour les jeunes enfants et même de façon globale Madame Huard, les personnes. C'est pour ça qu'on a changé les produits. C'était pour qu'ils soient, qu'ils respectent. Répondez-moi gentiment, il n'y a pas de souci. Non, mais je vous arrête parce que ça a été fait vraiment par le personnel de façon poussée. Très bien, c'est une bonne réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces décisions? Moi, j'en ai une. Oui. Sans surprise d'ailleurs, je pense, pour certains d'entre vous. C'est la décision 2022-107 qui déclare sans suite la procédure relative au marché de refonte du site Internet. Je vais un peu plus m'épancher après là-dessus. Est-ce que vous pouvez dire au Conseil, moi je suis à la commission de marché public, donc c'est un sujet qui m'intéresse, en particulier, comme je l'ai dit souvent, je suis dans ma zone de confort. Est-ce que vous pouvez dire, Monsieur Malray, au Conseil, les raisons qui vous ont poussé à prendre cette décision? Alors, comme vous le savez, puisque vous participiez, vous aviez des écarts de prix qui étaient de 1 à 3 ou 4. 6. Bon. Mais il y avait quand même une médiane qui se dégageait, hein, qui était autour de 40. Il y a une médiane, mais quand il... Puisque vous faites les questions et les réponses, en fait, on n'a pas le droit. C'est un vice de forme lorsqu'il y a un écart qui est aussi grand. En fait, c'est suffisant pour faire annuler un appel d'offres. Donc, on va le refaire, le restructurer et le relancer très vite. L'objectif étant, en effet, de pouvoir refondre le site Internet et pas que, d'ailleurs. Si je peux me permettre, parce que... Ou je me permets, comme dirait... C'est le mot du jour, allez-y. Moi, enfin, je ne sais rien, vous savez. Enfin, bon, cette question me sert de tremplin quand même pour aborder un sujet un peu plus global. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais M. Fréjabu, il y a quelques conseils municipaux, avait pris la parole en fin de conseil en disant qu'il estimait, tort ou raison, que la majorité pâtissait de temps en temps d'un manque de méthode. Alors, dans une vidéo récente sur TikTok, puisque... Apparemment, vous êtes TikToker. Vous semblez décrire la méthode. Donc, dans cette méthode, alors moi, je ne fais que paraphraser. J'ai vu cette vidéo. D'ailleurs, c'est une de mes filles qui me l'a montré. La première chose, c'est trouver une idée. Bon. La deuxième, c'est la formaliser et en débattre avec les élus de la majorité. Jusqu'à là, La troisième, c'est pas moi qui l'écris, c'est vous qui l'écrivez. La présenter au DGS, voilà, actuel, sortant, et puis le nouveau. Pour mise en exécution par les agents. Et 4, faire confiance aux agents pour qu'ils déverrouillent les difficultés. Donc moi, on va parler du site Internet, donc on va illustrer la méthodologie avec le site Internet. Trouver l'idée, refondre du site Internet. Jusqu'à là, on est d'accord. La formaliser, en débattre avec les élus de la majorité. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a
quelques mois, une petite année, on était dans cette majorité. Enfin, en tout cas, on participait, nous participions avec Caroline aux différents, notamment au bureau municipal. Mais en fait, on n'en a jamais entendu parler. Ben non, mais vous savez, ça fait longtemps maintenant que vous êtes plus avec nous. Hein. C'est un problème d'ailleurs. Non, non. Ah bon, c'est peut-être un problème. Alors, moi, je pense effectivement que c'est un problème. Ben, revenez quand vous voulez. C'est pas nous qui. Non, mais laissez-moi finir. Ah ben voilà. Laissez-moi finir parce que bon, là, c'est là où ça va un peu. Là, le problème, c'est faire confiance aux agents. J'ai compris ce soir. Non. La présenter au DGS pour mise en exécution par les agents. Pourtant, et j'étais dans la majorité, d'accord. Et au demeurant, je travaillais avec les services techniques. J'ai un document là sous les yeux qui est daté du 30 mars 2021, intitulé « Cahier des charges, refonte site internet de la ville de Hénarie-sur-Seine ». Et en page 2, il est écrit « Établi par Cyril Offrechter, élu au numérique, Olivier Lugic, élu à la culture, Ida Gontier, élu à la communication ». Là où ça devient intéressant, c'est Olivier Simon, consultant. Pour info, pour les Verneuillens qui nous regardent, il est 19e, était 19e sur la liste de Naturellement Verneuil au premier tour, et 25e de la liste Naturellement Verneuil ensemble. Hassan Diakaté, consultant, même topo, 17e. Je vous rappelle juste, avant que vous finissiez votre phrase, mais je vous en prie. C'est la fin. Je sais, mais justement, avant que vous finissiez votre phrase, je vous rappelle que dévoiler des documents privés, c'est interdit. Donc vous savez que si vous continuez prenez vos dispositions. Non, pas de problème. Qu'on fasse du travail interne avec des anciens élus, avec des personnes qui sont un peu. Vous ne voulez pas me répondre après ? Ben non. Vous voulez pas me répondre après ? Ben non. C'est un cahier des charges. Non, c'est pas un cahier des charges. Le cahier des charges, en plus, vous l'avez eu en commission. Que par contre, il y a des élus qui font du travail en amont. Je vois pas ce qui vous étonne. Je vais même être sympa avec vous. Oui. Quand j'ai eu connaissance de ce dossier, oui. C'est moi qui ai demandé à la personne de retirer ces noms. Bien sûr. Alors pourquoi vous les donnez ? Je suis désolé, des anciens. Parce que j'illustre un manque de méthode. Laissez-moi aller au bout de ma démarche, monsieur le maire. Hassan Diakaté, consultant, et monsieur Laurent Offrechter. Consultant. Oui. Donc moi, aujourd'hui, la question que je me pose par rapport à la méthode que vous décrivez sur TikTok, c'est pas moi qui l'a décrit, c'est vous qui l'a décrit. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un étrange mélange des genres? Et est-ce que vous ne pensez pas réellement qu'il revient aux élus, à leurs sympathisants et quelquefois aux membres de leur famille d'exécuter un travail qui, selon vos propres dires sur TikTok, doit être présenté au DGS pour mise en exécution par les agents. Ça revient, monsieur le maire, à quelque chose que j'avais déjà évoqué au sein du conseil municipal. C'est triste parce que la méthode, elle était sur TikTok. Vous devriez regarder mieux en l'occurrence, que les élus travaillent avec des proches. Mais la méthode, elle est là, que nos proches. Non, c'est un manque de confiance. Et vous étiez dedans, par ailleurs, sur différents sujets. C'est un manque de confiance. Non, puisqu'en fait, puisqu'après avoir pris conscience qu'il y avait un besoin, nous avons briefé les agents, c'est pas moi qui ai écrit le cahier des charges final. Parce que le cahier des charges que vous dites, c'est une note qui doit faire quoi ? Une ou deux pages ? Allez-y. Je ne parle pas de vous, monsieur le maire. Et non, parce que vous aimez bien dire que oh, oui, on fait appel à des proches. Bah ouais, déjà, ils sont bénévoles, ils sont sympas, franchement. Donc moi, je serais vous, je les remercierais. Deuxièmement, donner les noms, c'est pas terrible pour eux. Troisièmement, si je puis me permettre, la méthode, c'est quoi ? C'est, bah oui, on travaille avec des proches, avec des gens qui sont prêts à nous aider, avec tous les Verneuiliens qui sont prêts à nous aider. Je l'ai dit hier en conseil de quartier, quand il y a des bonnes idées, je les prends. Quatrièmement, ensuite, une fois qu'on a constaté ce qu'on veut, une fois qu'on s'est décidé avec des proches, avec des habitants, parce que oui, on consulte, c'est ça la concertation, et ça, je pense que personne ne me le reprochera, eh bien, vous savez quoi ? On briefe les agents et on leur fait confiance. Sauf que sur ce sujet précis, puisque vous dites que vous êtes dans votre zone de confort, eh bien, peut-être que c'est une zone de confort, mais en tout cas, je suis désolé de vous le dire. Les sites internet, oui. Je vous en prie. Faites-nous des propositions, donc vous avez la réponse à votre question. Mais attendez, à partir du moment où pour il y a faire des propositions, encore faudrait-il en débattre C'est le même sujet qu'on mais a Mais de quoi débattre toujours. On ne va pas débattre avec vous, vous ne voulez pas débattre vous avez avec des nous. Forces, mais vous avez des forces vives partout. Et alors non, j'ai toujours été dans l'opposition. Même dans la majorité, j'étais dans l'opposition. Il n'y a que comme, ça. Vous êtes, il n'y a que vous comme ça que les choses avancent. Si c'est juste faire confiance d'accord, à la personne qui va marabouter toute une équipe, ce n'est pas de problème. Si c'est ça votre conception, il n'y a pas de problème. Il faut être dans l'opposition. Dans ce cas-là, le marabout vous permet de passer à autre chose. Est-ce qu'il y a d'autres sujets ? Non. La présenter au DGS pour mise en exécution par les agents. Oui. C'est pas moi qui le dis, c'est vous qui le dites. Mais je le dis et je le répète, sauf que vous avez un problème avec la confiance envers les agents ce soir. Mais c'est pas grave. Non, il n'y a pas de faire confiance. Il n'y a pas de problématique de confiance. Faire confiance, ça fait 4-5 fois ce soir. 4-5 fois que vous en prenez à eux. Je suis désolé, c'est pas bien. Je m'en prends aux agents. Oui. Vous dites qu'ils savent pas ce qu'ils font. Vous dites que vous êtes expert, que vous êtes dans votre zone de confort. J'ai dit, attendez, une fois de plus. Une fois de plus, vous êtes filmé. Oui. Vous avez dit que j'ai dit que les agents. Non, mais attendez, on va pas jouer. J'ai dit que tu as dit que vous avez dit que ça va. Merci beaucoup. Vous venez de dire. Allez, ce soir, excusez-moi. Monsieur Moreau. Comment dire ça politiquement correct ?
Bon, bref, j'y allais directement. Vous parlez de méthode en reprochant à M. Bacle de lancer des noms de personnes en public. C'est dommage, il est parti, mais vous êtes le premier, M. le maire, à avoir lancé des noms de commerçants de la ville qui vous reprochaient des actions en plein conseil municipal. Donc, généralement, on balaye devant sa porte avant de faire ça devant les autres. Merci. Sur cela, je vous propose de mettre fin à ce conseil municipal, sauf si vous avez une dernière prise de parole, vous aurez le mot de la fin. Je reviens sur le sujet d'avant. Qui est Laurent Aufrechter ? Moi, je ne suis pas au courant de cette histoire. Donc, qui est Laurent Aufrechter ? Vous savez, à Verneuil, je vous l'ai toujours dit, c'est ma ville de cœur, mais c'est ma ville où j'ai toujours grandi. J'y ai ma famille, j'ai mes parents. Et si ça vous pose un problème, eh bien, vous savez quoi ? Moi, pas. Sur cela, ah non, très pas bonne de soirée. Problème. Et je vous dernière vous question, là. C'était une activité bénévole ? Bien sûr. Allez, merci juste, beaucoup. Non, je change complètement de sujet. Je vous rassure, ce n'est pas la peine de prendre ombrage. On est à Coubertin, c'est très bien. Je pense qu'il y a une activité sportive ce soir qui n'a pas pu faire sa séance parce qu'on a pris les locaux pour le public. Je ne sais pas si les gens en ligne le voient, mais il y a deux personnes dans le public. Il y en avait quatre tout à l'heure. Il faut être transparent, c'est votre mot préféré. Ce qui aurait été bien, à mon sens, et nous l'avons fait de différentes manières, c'est qu'on aurait pu communiquer sur le fait que le conseil municipal soit à nouveau ouvert au public. Ça a été fait, hein. Et c'est même, non, c'est même sur les documents que vous avez devant vous. Ça a été fait sur la page Facebook. Ça a été fait sur la page Facebook en indiquant au niveau de la semaine de Verneuil qu'il y avait le conseil municipal. Ça tient en deux lignes et à aucun moment c'est indiqué clairement que c'est en ligne. Il faut cliquer sur un lien pour effectivement aller sur l'ordre du jour où c'est marqué que c'est ouvert au public. Encore une fois, faites-le la prochaine fois. Non, mais je saisis l'opportunité pour dire que désormais, Covid étant passé, tous les conseils municipaux seront ouverts au public. Et puis, sur cela, je vous souhaite une bonne soirée et vous dis au mois de décembre, puisque le prochain conseil municipal sera avant les fêtes. Bonne soirée.